بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد إشمعني كوزا بكري الله سبحانه وتعالى أمرني من يشك سكر كنونا شنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبسانجر نجندوبي نبا مكوريكي نبا زمكوريكي نبا مكوريكي نبا جلقم موسو ونما دوسوا الله سبحانه وتعالى ko yaduha gukomeza gukurikira iyo ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkuko rero mu bimenyereye muri aya masaha ku munsi nk'uyu nguyu tuba twabateguriye ikiganiro mpaka kubigendanye n'iyobokamana muri kano kanya rero tudatinze ndi kumwe n'abantu babiri ahangaha abantu bamenyerewe abantu bakomeye abantu inshallah afite icyizere cy'uko uyu munsi ikiganiro kigiye kuba ryohera iruhande rwanjye iburyo ndi kumwe n'umupasiteri reka yivuge kugira ngo mumenye uwo turi kumwe nawe ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mahoro y'Imana be muri mwe nitwa pasiteri twagira Imana Jean Claude guturuka mu itorero Maranatha Pasteri Jean Claude Twagirimana niwe umaze kutwibwira ibumoso bwanje ndi kumwe n'undi nawe reka nawe abibwire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nitwa Alhaj Kamana Suleiman Segen ndo muvuga butumwa wa RMC Naam inyuma ya kamera rero harundi muvandimwe uri buze kudufasha ko ubushize abantu bari bifuje yuko ikiganiro cyajya mu ndimi zigiye zitandukanye ubwo Kinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili arababyifuje kugira ngo n'abatumva ururimi rw'Ikinyarwanda babashe gukurikirana iki kiganiro nawe turi kumwe ariko we ari inyuma ya kamera nawe wenda mu ijwi rye gusa ndagira ngo nawe abibwire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nange ndi muri kino kiganiro nkaba nitwa Uwimana Ibrahim Naam aba akabaro turi kumwe Uwimana Ibrahim agiye kudufasha mu gusemura ibyo bantu bagabo bari buze kuza kuba bari kwigisha kugira ngo abatumva ururimi rw'Ikinyarwanda babashe kuza kubyumva ubwo inshallah kubindi bigaje ndabikomeza tuzagera tujye no mu zindi ndimi kugira ngo dufashe abantu mu buryo butandukanye kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa nta numwe ucikanwa Naam nkuko rero bisanzwe muri gahunda y'ibiganiro dutanga iminota runaka kuri buri muntu kugira ngo abanze expose topic twashyizeho isobanuke ayigisheho na mugenzi we nawe aze kwigishaho nyuma baze kuza kubazanya ibibazo niturangiza tuze kuza guha abakurikiye nabo umwanya wo kubaza ndetse no kuba bagira ubwunganizi batanga hagati aho ngaho abari buze kuza kwifuza guhamagara bari mu gihugu hano bashobora guhamagara kuri 07 89 64 79 76 76 naho abari hanze y'igihugu mwe mushobora guhamagara kuri urakora kamizo yo guteranya 250 7 2 45 45 37 ariko urakoresha umuyoboro wa WhatsApp kugira ngo tubashe kumvikana nawe uri hanze y'igihugu reka rero tudatinze ijambo tugerekeze kwa pasteri Jean Claude iminota ya 20 iri kronometre tuyimuhe niturangiza turaza gukomeza nyuma yuko agiye kutuganiriza topic yo kuri uyu munsi ngo urayibuka pasteri iravuga iti se koko Muhammad ni intumwa y'Imana ese haraho bigaragara muri Bibiliya na Korani bitavuze yuko uri buze kudakwemera ko ari Imana ko ushobora no kutanabyemera ubwo uragaragaza impamvu atari Imana Naam ubwo nyuma yaho ngaro tubuze kuza gufata indi minota 20 yerekeze kumuvuga mutumwa Alhaji Sege nawe agaragaze Muhammad ese ni intumwa y'Imana koko ese haraho bigaragara ubwo nyirango ikiganiro cyo kuri uyu munsi ni iki pasteur rero nyirango umwanya kano kanya nuwanyu murakoze mbere ya byose turashimira Imana itwemereye kuba turi hano kuri uyu munsi wa none muri iki kiganiro merci beaucoup tout d'abord nous remercions Dieu parce que c'est lui qui nous a agréé d'être ici dans le débat de biblique et coran
Kandi turashimira abadukurikira mwese muri ibi biganiro. Et nous remercions aussi tous les hommes ou bien les gens qui suivent cette discussion concernant les Bibles et le Coran. Tuvuga ngo kwitanga kwanyu kuzagororerwa. En disant que votre contribution, on vous a récompensera, inshallah, un jour. Uyu mwanya turashaka gusobanura ku bijyanye n'umugabo witwa Muhammadi. Aujourd'hui, nous allons commencer à débattre sur un homme qui s'appelle Mahomet. Abantu bamuvuzeho ibintu byinshi bitandukanye, bamwe bavuga ko ari intumwa. Il y a beaucoup de gens qui disent que qui ont dit beaucoup de différentes idées concernant le Mahomet. Il y a les gens qui disent que il est le prophète. Abandi bakavuga ko ari umuhanuzi. Il y a les autres qui disent que c'est lui le messager. Hakaba n'abandi bavuga ko yari umuyobozi w'umujyi wa Madina. Il y a les autres qui disent que Mahomet était l'autorité de la ville de la Mecque. Bakavuga ko kuba yari umuyobozi w'umujyi wa Madina ibyo byari bihagije kuba yatanga ubutumwa bukumvikana. Les autres disent que en tant que s'il était l'autorité de la ville de la Mecque, c'était suffit pour donner le message de Dieu ou bien de faire la prédication pour lui. Ariko ubutumwa bwe bakaba babona ko bwo kuvuga ko ari umuhanuzi ibyo ntabyo babona. Mais le message du prophète Mahomet concernant son prédication, les uns disent que ça ne concerne pas avec les messagers de Dieu. Hakaba n'abandi rero bavuga ko ari umuhanuzi w'ibinyoma. Il y a les autres qui disent que c'était le prophète des mensonges. Bitewe n'ubutumwa butandukanye bagenda bakontaho bagaragaza ko butavuye ku Mana nyirizina. Parce qu'il y a des épreuves qui se basent sur des épreuves différentes que les gens apprennent, qui montrent que son messager était le mensonge. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kureba ikiri ukuri kuri uyu mugabo Muhammadi. Aujourd'hui nous allons voir ce qui est la vérité sur cet homme là Mahomet. Twibaza ese koko Muhammadi yari umuhanuzi uvuye ku Mana. On se demanda pourquoi l'histoire montre que Muhammadi yari umugabo wavukiye mu gace kaho bita Makaho mu kigobe cy'Abarabu. Mahomet était né, il est né dans la ville de la Mecque, dans le golfe des Arabes. Akaba yari umugabo wavutse ahagana mu mwaka wa 570. Il est né dans les années 1700. Abyawe n'uwitwaga Abdallah. Son père était Abdallah. Abdallah wa Abdul Mutwalib. Abdul Mutwalib. Abdul Mutwalib wa Hashim. Abdul Mutwalib dans le clan de Hashim. Hashim wa Aba Quraish. Hashim était dans le clan de Quraishit. Aba Quraish byari guturuka mu miryango 12 ya Ismaile cyangwa se Ishmaeli. Le Quraishit était composé dans les familles de Ismaïl, dans les 12 familles de Ismaïl. Ismaile cyangwa Ishmaeli akaba yari umuhungu wa Ibrahim n'umudamu witwaga Hagari. Ismaïl était le fils de Ibrahim avec sa femme Hagar. Hagari yakomokaga mu gihugu cy'Abanyegiputa. Hagar, son origine était l'Égyptien. Kuko iyo tureba amateka agaragaza neza ko mu buzima bw'uyu Abraham yarongoye abagore batatu. L'histoire montre que Abraham avait trois épouses. Umugore wa mbere yitwaga Sara cyangwa Sarai. Sa première femme était Sarah. Kuko ariwe baturukanye i Mesopotamia. Parce que c'est lui l'origine de la Mésopotamie en Irak. Umugore wa kabiri yari uwo Hagari. Son deuxième femme était Hagar. Warongoye igihe Sara yari yarabuze urubyaro. Celui qui l'a épousé lorsque Sarah a manqué de l'enfant. Umugore wa gatatu yitwa Ketura. Son troisième femme était Ketura. Ketura yarongoye igihe Sara yari amaze gupfa. Ketura était marié avec Ibrahim après avoir la dessin de la Hagar. Usomye muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 25 harabikwereka.
muramufasha tangiriro ibice 25 tangiriro tangiriro kangahe ibice 25 itangiriro ibice 25 itangiriro 25 kangahe era ku murongo wa murongo wa kangahe se wa mbere hano murongo wa mbere Aburahamu arongora undi mugore Il y a le verset de la Genèse en Bible, le verset 25. Abraham arongora undi mugore. Abraham épousa une autre femme. Witwa Ketura. Qui s'appelle Ketura. Babyarana Zimurani. Avec son premier enfant qui s'appelle Zimurani. Na Yokishami. Et autre qui s'appelle Yokishami. Na Medani. Ele Medani na Midiani e Midiani na Ishibaki na Shua e Oshua. Okay. Tukimara rero kubona aya mateka y'aba badamu ba Ibrahim après avoir vu l'histoire de Ibrahim murabona neza ko ari nayo nkomoko yuriya Muhammad. Vous voyez que c'est l'origine de Mahomet. Uyu Muhammad rero nkuko twabivuze Le prophète Mahomet, comme si nous les avons dit, il est né dans les années 570. Est décédé le 8 le 8 juin dans les années 662. Iyo tugarutse kuri uyu Muhammad kandi revenant arrière si cet homme Muhammad igaragara neza ko yavutse mu gihe sekuru wa se quand nous voyons l'histoire nous montre que l'arrière père de qui est le père de Mahomet mu gihe se wa se yarabuze urubyaro Parce que l'arrière-père de Mahomet a manqué des enfants. Amateka garagaza ko yaje gusenga Imana yizeraga. L'histoire montre que il a prié le Dieu qu'il croit. Yitwaga Hubair Allah. Le Dieu qui s'appelle Hubair Allah. Ngira ngo murabyibuka ko karagace gasenga ibigirwamana cyane. Vous souvenez que c'était quartier ou bien c'était le parti qui adore les images ou bien les statues. On a ouvert le yarafitimana yitwaga Hubair Allah. Ah, le Mahomet encore avait un dieu qui s'appelle Hubair Allah. Mu gihe yayisabaga urubyaro, lorsque Mahomet a demandé l'enfant, yaje kuyibwira ngo nyamuneka Hubair. Il a dit vraiment Hubair, numpabane 10, si vous me donnez 10 enfants. Umwana wa 10 nzamuguturaho igitambo cyoswa. Le 10e enfant, je vais le sacrifier pour vous. Yaje kubyara abana 9. Il avait 9 enfants. Umwana wa 10 niwe waje kuba se wa Muhammad. Son fils, le 10e enfant, est devenu le père de Mahomet. Areba kumutamba biramunanira. Mahomet a refusé de la sacrifier. Nkuko yari yarasezeraniye za mana ze. Parce qu'il a promis à leur Dieu. Izo mana yasabaga urubyaro. Ce Dieu-là qu'il a demandé des enfants. Aravuga ngo nyamuneka Hubair. Il a dit vraiment Hubair. Nyemerera uyu mwana ye gupfa nonaha nabura zapfa amaze gusiga umusimbura. Acceptez-moi pour que son enfant ne meure maintenant, mais qu'ils mourront après avoir laissé son héritier. Yatanze ingamije 100 zipfa mu kimbo cye kugira ngo ye gupfa uwo mwanya. Il a donné 10 chevaux pour qu'ils vont mourir pour remplacer cet homme. Nyuma se wa Muhammad amaze gukura aza kurongora umugore witwaga Amina. Après ça, le père de Mahomet, après avoir grandi, il a épousé une femme qui s'appelle Amina. Nibwo yaje kumubyaraho umwana mu 570 ariwe waje kuba Muhammad. Comme ça, il y avait un enfant qui est
qui est né dans les années 570. Amazina ya Muhammadi y'umwihariko nyirizina. Le nom de Mahomet vraiment. Yitwaga Abdul Qasim. Il était Abdul Qasim. Yiyise Muhammadi mu 613. Il est appelé Muhammad dans les années 613. Bivuga wakujijwe. C'est-à-dire celui qui est grand, qui est exaucé. Nyuma yuko yaratangiye kumvikanisha iby'ubutumwa, yaratangiye kugenda agaragaza ko ari guhishurirwa. Parce qu'il a commencé à montrer qu'il est un prédicateur, il a commencé à dire aux gens qu'il a la révélation qu'il reçoit dans les années-là. Muhammad rero umunsi yavukaga, dès que Mahomet est né, se yahise apfa. Son père était mort. Mwumve ko yari yaratanzwe kuri za mana za sekuru. Rappelez-vous qu'il a été sacrifié sur leur dieu. Se amaze gupfa, après avoir mourir son père, Muhammad yarezwe na nyina imyaka 7, nyina Amina. Muhammad a été élevé par son père à 7 ans, à sa mère qui s'appelle Amina. Imyaka 7 ishize na nyina nawe arapfa. Après 7 ans, sa mère est morte. Muhammad yagiye kurerwa kandi kwa sekuru wa wundi wakoreraga za mana. Muhammad il était allé pour être élevé dans les arrière-pères. Umunsi yajyaga kurererwayo. Dès qu'il était là-bas, sekuru yatangiye kumutoza kubaha no kubahiriza izo mana ze. Son arrière-grand-père lui a enseigné comment on fait les adorations pour cette statue et le dieu-là. Igihe uwo sekuru yaje nawe gupfa, dès que son arrière-père est mort, nibwo Muhammad yagiye kurererwa kandi kwa nyirarume witwaga Abu Mutalib. Comme ça, Mahomet a été élevé pour son oncle Abdul Muttalib. Abu Mutalib. Nyirarume rero nawe yatangiye kumutoza kandi n'iby'ubucuruzi. Son oncle lui a enseigné les marchandises. Muhammad yaje kurongora ageze mu myaka 25. Dans la 25 ans, Mahomet a épousé. Byari bigeze mu mwaka wa 595. C'était les années 595. Arongora umudamu wari upfakaye kabiri witwaga Hadija. Épousé une veuve femme qui s'appelle Hadija. Nyuma y'icyo gihe, après cela, nibwo Muhammad yatangiye gukora commerce ava muri aho muri Arabia mu kigobe cy'Abarabu aho Makkah. Après ce temps, Mahomet a commencé les marchandises dans les golfes des Arabes, de Makkah. Ava muri Makkah ajya muri za Egiputa n'ahandi hantu hatandukanye. Il a quitté le Makkah jusqu'en Égypte. Ari mu rugendo rw'ubucuruzi dans le chemin de marchandises. Muri urwo rugendo rero nibwo yatangiye guhura n'amoko y'abantu benshi batandukanye. Dans ce voyage, il a rencontré beaucoup de clans. Barimo n'ubwoko bw'abayahudi. Dans cet clan, il avait des familles de juifs. Mu gukurikirana imyemerere y'abo bayahudi, en suivant la croyance des juifs à l'époque là, kuko bahuriraga ku masano kuri sekuruza Abrahamu. Parce qu'il avait les relations avec les juifs et la famille de Mahomet. Iyo myemerere y'abayahudi arayikunda. Mahomet a aimé ou bien était en accord avec la croyance des juifs. Ndetse yifuza kuyijyana mu gace k'iwabo ka Maka. Il a souhaité à emporter la croyance des juifs jusqu'à son origine de la ville de la Maka. Aho muri cyo kigobe cy'Abarabu. Dans le golfe des Arabes. Umunsi yageragayo, dès qu'il arrive là-bas, yahahuriye n'abantu bitwaga Monarque. Il a rencontré avec les gens qui s'appellent Monarque. Cyangwa abazoroastri. Ou bien les zoroastriens. Abo bari abantu bari barasohotse mu bice bimwe by'abakristo. Les zoroastriens là-bas, ce sont des gens qui viennent de différents chrétiens. Ariko baragiye batakaza imirongo ngenderwaho. Mais qu'ils ont perdu les lignes de croyance. Kuko bari baratangiye kujya bagenda gushaka ibintu by'amayerekwa ku misozi miremire. Parce qu'ils ont commencé à aller dans les grandes montagnes pour chercher la révélation. No mu buvumo butandukanye. Dans les différentes montagnes là-bas, dans les hanyuma hakaza imyuka ikabajyana mu bintu by'amayerekwa.
Dans ces montagnes là-bas, il y avait ce qu'on appelle les esprits qui emportaient les gens là-bas dans ces montagnes qui les ont montré les différentes élévations. Mohammed dit kuba kurikirana. Quand Mahomet a commencé à suivre ces hommes, yumva baravuga ibintu bijya gusa n'ibyari yarumvanye b'abayahudi. Il a entendu des choses comme la croyance des choses même qui se rassemblent avec la croyance des juifs auparavant. Nyuma yo kubinjiramo, après avoir entré là, yaje kuzamuka umusozi muremure witwa Hira. Il a monté les montagnes qui s'appellent Hira. Ajya mu buvumo bw'uwo musozi. Il a entré dans les montagnes de Hira. Ageze ku buvumo bwari kuri uwo musozi. Dès qu'il arrive là-bas, yatunguwe nuko haje imbaraga zidasanzwe atakaza ubwenge. Il a été étonné parce qu'il avait les esprits qui étaient forts. Iyo ukurikiye ku mateka avugwa ku by'icyo gihe, quand vous attendez l'histoire là-bas, bigaragara ko uwo musozi ariwo yatangiye kubona amahishurirwa ye ya mbere. Ça montre que comme ça, c'est à cet moment-là qu'il a commencé à être révélé. Nyuma rero hazajya kuzanzamukira, après avoir vu toutes choses, baba Zoroaste bari bamuzungurutse, tous les Zoroastes qui s'étaient entourés avec lui, baramubaza ngo ko twumva guri guhirita nk'ingamiya bari kwica niki cyabaye. Il lui demande est-ce que pourquoi vous disputez ou bien vous tremblez comme un cheval qui est en train de mourir. Muhammad arabasubiza ngo, Muhammad a répondu, yasuwe n'umumarayika witwa Jibril. Il a été visité par un ange qui s'appelle Jibril. Arababwira ngo birashoboka rero ko, il a dit il se peut que ibyo mwumvaga ndimo mvuga, ce que vous avez entendu parler, ahari narindi gusubiramo ibyo marayika yari arimo ambwira. Je répète ce que l'ange m'a dit. Aho niho hatangira ibyo buhanuzi bavuga bwa Muhammad. C'est là le commencement de la révélation de cet homme Mahomet. Nyuma y'icyo gihe, après cela, kuko ibyo byari bibaye mu 610, ça c'était les années dans les années 610. Amateka garagaza ko aribwo yatangiye iby'amayerekwa. Les années montrent que comme ça la révélation a commencé à cette année-là. Muri icyo gihe kuko yatangiraga kujya mu mayerekwa akamererwa nabi cyane. À l'époque là, parce qu'il a commencé à recevoir les révélations, il a commencé à se sentir mal. Byaje kurenga umugore we Hadija. Comme ça, sa femme a été étonnée avec cette révélation. Nibwo yagiye guhanuza kwa mubyara we witwaga Waruka. C'est comme ça qu'il a été allé dans une famille qui s'appelle Haruka. Warumwe muri abo bamonake. Lui qui était parmi ces hommes-là, le monarque. Amutekerereje ibiba ku mugabo we igihe bavuga ngo ari mu mayerekwa. Quand il a raconté ce qui se passe à son épouse, si cette révélation. Waruka nibwo niwe wamubwiye ngo ubwo umugabo yaba yarabaye umuhanuzi. Sa Waruka a dit vraiment, si je suis ce que vous me racontez, c'est-à-dire que votre époux a commencé à être révélé n'importe chose. Nyuma y'icyo gihe rero ahagana mu mwaka wa 613, après ça dans les années 613, nibwo Muhammad yaje kujya mu ngoro yari yuzuye n'ibigirwamana bigera muri 500 na. Comme ça, Mahomet a été allé dans le temple qui était composé avec des statues 660. Aragenda senya imana y'ingore yitwaga Lati. Comme ça, Mahomet a détruit une femme dieu qui s'appelle Lat. Asenya imana y'ingore yitwaga Nanati. Il a détruit une femme dieu qui Nanati. Asenya n'indi imana y'ingore yitwaga Aza. Il a détruit une autre dieu femme qui s'appelle Aza. Mu gihe yasenyaga ibyo bigirwamana, quand il a commencé à détruire cette dieu, nyuma y'umwaka umwe abo yari yarasenye ibigirwamana baje kumenya ko ari we wabikoze. Après une année, celui qui appartient avec ce dieu, ils ont connu que c'est le Mahomet qui a détruit ce dieu. Baramuhiga ngo bamwice. Il a été chassé pour le tuer. Icyo gihe nibwo yaje guhungira mu gace kaho bita Imadina. Comme ça Mahomet il a immigré vers Imadina. Mu mudugudu witwa Yatrib. Dans le quartier qui s'appelle Yatrib. Amaze kugerayo, après avoir arrivé là-bas, abo yasanzeyo baramufashije. Il a été accueilli par les gens qui étaient là-bas. Ndetse nyuma y'igihe runaka biza kuba ngombwa ko ahinduka umwe mu bayobozi baho. Après ça, il est devenu une autorité. Amaze kuba umwe mu bayoboye aho Imadina, en tant qu'une autorité là-bas à Madina,
yatangiye ayoboye urwego rw'idini kumenyekanisha ya mahishurirwa ye. Il a commencé à faire la prédication concernant la révélation qu'il a reçue. Biza no kugera igihe bamutorera kuba umuyobozi w'umuryango. Jusqu'à ce qu'il a été élu le chef de famille. Mu buryo bwa leta aho I Madina. Dans le gouvernement qui était dirigé la Madina là-bas. Yahungiye I Madina mu 1600 kandi na mu wa 1613 asenye bya bigirwamana muri byo bihe nibwo yahungiye yo I Madina mu 1619 aza kuba umwe mu bayobozi baho kugeza mu 1622. Il a émigré là-bas dans les années 613 jusqu'à 619 jusqu'à ce qu'il a devenu une autorité là-bas à Médine. Muri byo bihe haje kubaho intambara zitandukanye. Dans cette circonstance il y avait des différences. Ubw'abanyamaka bari batangiye gutera I Madina kujya gushaka yo Muhammad. Les gens qui vivent à Makka, ils ont envahi le Madina pour chercher cet homme Mahomet. Nibwo Muhammad yafatanyije n'ingabo z'I Madina. Mahomet a commencé à s'entraider avec les gens, les soldats de la Madina. Barwanya ingabo z'I Makka barazitsinda. Ils ont réussi la guerre. Comme ça, les soldats de la Makka ont été échoués dans la guerre. Ibyo byabaye mu 1624. Ça s'était passé dans les années 624. Bigeze mu 1630. Quand les années 630. Ibyo ni byabaye nyuma y'ivuka rya Yesu. Ça s'était passé avant que Jésus est né. Kuko Muhammad yagaragajwe nyuma y'ivuka rya Yesu. Parce que Mahomet était à Paris après Jésus. Ya. Mu 1630 nawe yaje gukoranya ingabo zigera ku 10,000. Dans les années 30, comme ça, Mahomet a réuni beaucoup de soldats. Baza gutera umujyi wa Makka. Ils ont envahi la ville de la Makka. Ndetse birangira bawutsinze. Ils ont eu la réussite. Bamaze kutsinda. Après avoir réussi, mu 1631, les années 631, baje gukora icyo bita hija. Ils ont fait ce qu'on appelle hija. Bava I Madina bajya I Makka. Ils ont quitté Madina jusqu'à Makka. Hija n'umutambagiro. Hija c'est le pèlerinage. Bahageze bahimikiye abahaji igihumbi. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait le hajj de 1000 personnes. Mu kugaruka rero bavuye I Makka basubiye I Madina. Quand ils retournent vers Madina, nibwo baje gushyiraho ibwiriza ryo gusenga Imana y'umujyi wa Makka. Ils ont établi un roi qui commence à adorer un dieu de la Makka. Nyuma ko bari batangiye kubwira Muhammad bati none kuki ibiri I Makka tutabikureho ngo tubijyane I Madina. Parce qu'ils ont dit à Mahomet, parce que ce que nous avons là-bas à Makka, pourquoi ne pas les apporter jusqu'à Madina? Muhammad arababwira ngo babe baretse. Muhammad les ont dit non, calmez. Azabaha igisubizo ku bukeye. Il va donner la réponse après. Mukongera guhura nabo. Dès qu'il se raconte à nouveau, abo banyamadina, les Madiniens, nibwo yababwiye ko yahishuriwe ko bagomba gusenga Imana y'umujyi wa Makka bareba ahari umusigiti waho ngaho I Makka. Mahomet a annoncé pour les Madiniens qu'il a été révélé pour lui qu'ils ont commencé à adorer un dieu en direction de la Makka. Ibwiriza ry'ibyo turarisanga muri surat al-Bakara. Le verset qui dit comme ça, on l'a retrouvé dans le surat al-Bakara, dans le Coran. Ayaya ijana na cumi na kane. Le verset 114. Surat al-Bakara ni surat ya kabiri. Surat al-Bakara, muri Korowani. C'est chapitre 2. Chapitre 2 dans le Coran. Ijana. Ijana na cumi na kane. Murongo uragira uti surati Bakara igice cya kabiri cya Korani umurongo waho w'ijana na cumi na kane. Ninde uhuguza kurusha ubuza imisingi ya Allah kuvugirwamo izina rye, imisigiti ya Allah kuvugirwamo izina rye, akanihatira kuyangiza? Murongo ni uwo ijana na cumi na kane. Ijana na cumi na kane.
ni surati ali muzamir. Surati ni muzamir. Ya, surati ya 73. Surati ni muzamir 73. Aya ya kabiri. Aya kabiri. Iragira iti surati ni muzamir. Aya ya kabiri iragira iti kora sola ijoro uretse gato. Yego. Nanone. Surati ni muzamir. Verset 2. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Ni surat al-Bakara, aya ijana na cumi na kane. Nayo yisome. Ijana na cumi na kane. Yego. Twe twayisomye iriya. Ntabwo ari yo wasomye. Surat al-Bakara, aya ijana na cumi na kane. Surat al-Bakara, aya ijana na cumi na kane. Ijana na cumi na kane. Ninde uhuguza kurusha ubuza ijana na cumi na kane. Ntabwo ari yo uri gusoma. Surati al-Bakara ijana na cumi na kane. Umvi yanjye uko ivuga. Reka nsome muri Korowani yanjye. Surati al-Bakara. Ni surati ya kabiri. Ijana na mirongo ine na kane. Ijana na mirongo ine na kane. Uvuga ijana na cumi na kane. Ijana na mirongo ine na kane. Ijana na mirongo ine na kane. Reka nsome. Iravuga ngo yewe ntumwa y'Imana we. Mu by'ukuri turakubona uhindukiza mu maso hawe uharebesha mu kirere rwose turakwereka turakwerekeza kuri kibla wowe wishimiye ngaherekeza mu maso hawe ku cyerekezo cy'umusigiti muziranenge Al-Kaaba naho muzaba muri hose muzajye mwerekeza mu maso hanyu ku cyerekezo kirimo uwo musigiti. Okay, le verset qui vient de dire dans le Coran, c'est-à-dire c'est la sourate al-Baqara, c'est chapitre 2, le verset 144. Yes. Il dit, certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tournez donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, c'est à qui le livre a été donné. Savez bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Muri icyo gihe rero biragaragara neza ko. Ok. À ce moment-là, là, il montre que. Ari icyo gihe yahawe ibwiriza ryo gusenga bareba ahari iyo nzu. C'est le verset qui montre que Mahomet a été ordonné de prier en direction de la Mecque, de la maison sacrée. Yaraho imaka. La maison se trouve là-bas à Mecque. Yahozemo bya bigirwamana. La maison était contient de dieux de statues. Gusa bimwe Muhammad yari yarabisenye. Parce que parmi les statues là, Mahomet a détruit. Hasigara kibla. Ça est resté le kibla. Cyaribuye ry'umukara riri aho muri Al-Kaaba. Kibla était une pierre noire dans la maison de Al-Kaaba là-bas. Dikiriho na bugingo. Même aujourd'hui la pierre noire là-bas se trouve là-bas. Muri byo bihe hagiyeho ikirangamisi cya Islam. À ce concerne là-bas il y avait le symbole de l'Islam. Bashiraho ukwezi n'inyenyeri z'ijoro. Ils ont mis les lignes et les étoiles dans la nuit. Ibyo bikaba byari bimenyetso n'ubundi byari bisanzwe bikoreshwa mu ijoro ryo gusenga. Ça c'était même les signes qui ont été utilisés pour prier. Muri abo bantu bo muri ako gace. Dans les quartiers là-bas, qui ont été priés par les gens qui se trouvent dans les quartiers là-bas. Ndumva rero ntatinze ngo njye kure. Pour ne pas retarder. Wenda ibindi twaza kugenda tubirebaho. On va continuer à débattre sur autre chose. Twibaza ese Muhammad ninde by'umwihariko mu byanditswe. En se basant qui est vraiment Mahomet. Ibyo ari byo byose turaza kugenda tubibona mu buryo bufatika. On va continuer à voir de différentes idées ou bien de différentes preuves. Ariko mu nshamake. En concluant. Aya niyo mateka agaragazwa ya Muhammad. Ça c'est le résumé de l'histoire de Mahomet. Kukijyanye n'itangira ry'ubuhanuzi bavuga kuri we. Concernant le commencement de la révélation que les gens disent pour lui. Ndumva rero nabampagarikiye aha wenda turaza gukomeza murakoze. Ok, moi je me suis arrêté comme ça, on va continuer à se battre, à débattre sur autre chose.
Reka dushimire umuvandimwe pasteur. Laissez-nous remercier notre frère pasteur. Ku mateka aduhaye ku ntumwa y'Imana Muhammad. Si les histoires qui nous donne si notre prophète Mahomet. Akaba akoresheje iminota 30 neza twe twavuze ko ari 20 ariko kubera gusobanura twongereho 10. Il a utilisé sa 30 minutes. Tukaba rero tugiye guha indi minota 30 Alhaji Kamana Suleiman. On va donner d'autres 30 minutes si Alhaji Kamana kugira ngo nawe agaragaze ese Muhammadi ni ntumwa ese bya bigaragara he muri Bibiliya cyangwa se Coran. Pour que lui montre est-ce que Mahomet était le prophète? Est-ce qu'il a les épreuves qui montrent dans les Coran ou bien dans les Bibles qui montrent que Mahomet était le prophète? Ngira ngo umwe yatwaha Alhaji Kamana Suleiman. OK, vous avez votre temps. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Icyambere ndashimira Imana nitwa Alhaji Kamana Suleiman abantu benshi banzi mu izina rya Sega. Tout premier, je remercie Dieu parce que tous les gens ou bien beaucoup de gens ils me connaissent le nom de Alhaji Sega Kamana. Ndashimira n'umuvandimwe. Je remercie mon frère là-bas, pasteur. Ariko kuri nje ndabona ko nango yakurikije topic. Parce que pour moi, il n'a pas s'orienté sur le sujet que nous avons. Topic ni ukugaragaza niba koko Muhammad ni intumwa y'Imana muri Coran muri Bibiliya cyangwa nago ari intumwa y'Imana. Le sujet était montré si le prophète Mahomet était le prophète de Dieu en se basant sur le Coran et la Bible tout simplement. Nago badusabye amateka ya Muhammad. On n'a pas demandé l'histoire de Mahomet. Oui, il atandukana ni ibintu bibiri bitandukana. C'est deux choses qui sont différentes, l'histoire de Mahomet et le prophète. Ni tukavanga ibintu bitavangiwe. On ne peut pas mélanger des choses qu'on ne peut pas mélanger. Icyambere aravuze Muhammad ni muhanuzi w'ibinyoma, ni prophète ni numwa w'ibinyoma. Premièrement, il a dit que le prophète Mahomet était messager de mensonges. Imana imubabarire. Parce que Allah lui pardonne tout ce qu'il a dit. Impamvu navuze Imana imubabarire wenyine yaje kuzana umurongo nyuma muri Korani kabiri ijana na mirongo ine na kane mu nyandiko yemeye muri Korani arayeme akagaragaza ko Muhammad ni intumwa. Parce que lui-même il a montré les versets coraniques qui montrent que parce que pour montrer ces versets coraniques lui-même il accepte. Voilà. Il accepte de donner la référence dans le Coran. Effectivement. Oui, quand il donne la référence dans le Coran, c'est-à-dire qu'il accepte ce qui est écrit dans le Coran. OK. Qui montre que Mahomet était un prophète. Ari contredisant kavuga ni mensonge. Parce que lui, il s'est contredit en disant que c'était des mensonges, alors qu'il a donné les épreuves dans le Coran. Voilà, njewe ndatunguwe kureba umuntu wenyine ari kwipinga nagwa aribyo. Vraiment, je me suis étonné en voyant cet homme-là qui se contredit lui-même. Aravuga Abraham yari afite abagore batatu. Il a dit que Ibrahim, le prophète Ibrahim, avait trois femmes. Arabesha. Wenda ni hari ubumenyi bwagarukiye. Il a menti parce que son connaissance était limitée cela. Abraham nibyo koko umugore wa mbere yari Sara. Vraiment Ibrahim son première femme c'était Sara. Wa kabiri Agar. La deuxième femme était Hagar. Yahawe burenganzira n'umugore we wa mbere Sara. Hagar lui avait donné la permission de son première femme. Akaba umugore we pour être la femme d'Ibrahim. Aba bagore babiri bamaze gufa quand les deux femmes sont mouries akafata Ketura handi yasomye muri itangiriro 25 murongo wa mbere. Quand les deux femmes d'Ibrahim ont été mouries comme ça il a pris Ketura l'autre femme. Nyuma ya Ketura après Ketura Abraham yaje kurongora June. Abraham a épousé June. Akabyarana n'uwo mugore wa kane abana batanu. Il a engendré avec 5 enfants. Ariko Biblia inamateka yasomye iragarukira kwa
Mais la Bible a été limitée par une femme qui s'appelle Ketura. Ok. Ari kindi yavuze imana ya Muhammad itwa Ubar. Il a dit autre chose que le Dieu de Mahomet était Ubar. Je ndashaka nyuma ze atwereke muri Bibiliya cyangwa muri Coran. Niyo ituyobora hano. Moi je veux que il nous montre dans le Coran ou bien dans les Bibles, dans les Bibles, parce que c'est ça où nous puisons les épreuves. Nibyo byatushize hano nago ari bitekerezo. Oui, nous sommes ici en se basant sur le Coran et la Bible, ce n'est pas les idées de quelqu'un. Cyangwa histoire. Non, nago ari byo byatuzanye. Ce n'est pas l'histoire. Nous allons utiliser le Coran et la Bible. Ari kindi yavuze babu wa Muhammad niwe yigishaga Muhammad kusenga bya bindi bitari imana. Il a dit que le grand-père de Mahomet, c'est celui qui lui a enseigné d'adorer le Dieu, le statut. Uyu mugabo agomba kugerageza kwiga neza uwisilamu. Cet homme passé là vraiment, il faut qu'il enseigne, il faut qu'il apprend vraiment l'islam. Muhammad yarapinganaga na babu we cyane. Mahomet vraiment était contredit avec son oncle. Kubera kusenga ibintu bitari imana. Parce que lui, son grand-père a adoré les statues. Comme ça, Mahomet était contre avec lui. Kugezaho yarafuye ari kumubwira ngwino kwemera Imana imwe rukumbi. Quand son oncle était approché la mort, Mahomet était discuté avec lui en disant il faut que vous croyez un seul Dieu. Agomba kwigana akavuga ibintu byo kubesha atafite na source yaho yabikuye. Il faut que cet homme-là, pasteur, vraiment s'enseigne s'il beaucoup de choses pour qu'il puisse dans les vraies sources de connaissances. Aravuga Muhammad yakiriye ubutumwa wa Jibril ya mbere nago yari ubutumwa yari ma diamond ibyo bintu byanditswe. Il a dit que Mahomet a reçu une révélation concernant en venant de l'ange Gabriel. Vous voyez que les révélations là étaient des mensonges, des démons là-bas. Ça, ce n'est pas la vraie. Ça, on ne peut pas trouver ça, les épreuves qu'il a données dans les Bibles, dans les Non, Oui. Ok. Il s'est contredit à autre chose. Aravuga Muhammad yaragiye kwica za mana abantu basengaga. Il a dit que Mahomet était pour détruire les statues là-bas. Ça, nje ndi kwibaza. Muhammad yasengaga ma diamond. Akabatera wa mbere kuza kutwika za mana nibishoboka. Yaravuze Muhammad yaragiye kwica za mana abantu basengaga. Gute umuntu azagenda kutwika kwica za mana nawe ari kuyisenga? Il a dit aussi que Mahomet adore les statues aussi. Est-ce que comment s'il adore les statues et a allé pour détruire aussi les statues alors que ce sont ses dieux? Urumva ko nibishoboka. Ni ukuvuga iragaragaza ko Muhammad yari contre iyo izo mana basengaga, niyo mpamvu yaragiye kwica izo mana. C'est montrer que Mahomet était contre si les statues qu'ils ont adoré là-bas. Effectivement. C'est pour cela qu'il a allé pour détruire toute statue. Ok. Yanyuma mu bintu yavuze, wallahi nje ndashaka agenda akore recherche neza muri Coran na Bible. Ariko ibintu by'ibitabo abantu bari kwandika y'ukusebya abantu ntabwo ari iyo Korani cyangwa Biblia. Vraiment, moi je lui la conseille d'aller pour chercher les vraies sources. Pas d'utiliser les livres que les gens ont écrits, n'importe quel livre. Aravuga byahija akazana umurongo wa kibla. Iyi nyandiko yonyine iramukubita ikamushira. She ndashaka usomera inyandiko yatanze nitangire hariya nimwereke ko inuma y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni inuma y'Imana yukuri. Il a dit concernant le hija. Vraiment, il a donné le verset. Korani kabiri ijana mirongo ine na kane. Korani kabiri ijana na mirongo ine na kane. Hariya niyo yatangiye. Mu by'ukuri turabona uhindukiza uburanga bwawe mu kirere. Uri kumva? Mu by'ukuri amagambo hariya nago ari Muhammad ari kwivugira. Muhammad yabwiwe ari kushakisha
bakavuga ntago ari Muhammad yivugiye le verset que le pasteur a donné pour montrer ce qui est Mahomet. Il a dit que dans la sourate al-Baqara aya ou bien le verset 144 c'est dit certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans les cieux. Ah voilà. C'est Dieu même qui dit qu'il voit. Direct. Mahomet direct. Baramubona baramureba muki autorité y'Imana. Oui oui oui. Voilà komeza. Turakwereka turakwerekeza ku cyerekezo wishimiye. Turakwerekeza ntago ari Muhammad wenyine yerekeje. Non. Elle veut se continuer en disant que nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Il faut commander. C'est Dieu même qui dit. Voilà. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Mahomet. Komeza. Aho erekeza uburanga bwawe ahagana Masjid al-Haram. Aha. Tournez donc ton visage vers la mosquée sacrée. C'est Baramwerekaho agomba kureba mu gusenga. C'est Dieu qui commande à Mahomet de tourner ton visage vers la maison sacrée. Komeza. Naho muzaba muri hose mujye mwerekeza uburanga bwanyu aho iri. Que vous soyez, tournez-y vos visages. Voilà, ibyo ntago ari ibintu bya Muhammadi. Muhammadi ari commandé n'Imana. Ça ce n'est pas le mot de Mahomet. Ça c'est le mot de Dieu. Tuvuge ibintu tureke amaranga mitima Muhammadi ni numa y'Imana yukuri. Mahomet était le vrai prophète de Dieu. Musomere muri Korani. 13:43. Aba bajamana ngo ari uwa mbere. Kera abantu baratangiye kupinga Muhammadi ni benshi. 13:43. Naam. Haragira hati. Yes. Abahakanye baravuga bati. Aha. Ntago uri intumwa. Nuko abahakanye baravugaga. Ntago ari intumwa. Ibyo ntago ari gitangaza kuri twebwe. Komeza. Vuga uti. Aha. Allah arahagije kuba umuhamya hagati yanjye namwe n'abafite ubumenyi bw'igitabo. So concernant tout ce que pasteur a dit sur le Mahomet, parce que auparavant, même ce n'est pas lui, il y avait les gens qui ont commencé à contredire Mahomet, voyez, en disant que ce n'est pas le prophète. Mais dans le Coran, le Coran, le surat 13:43. Allah dit dans le Coran, il dit, et ceux qui ne croient pas disent auparavant, ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les mécroyants disent aussi, tu n'es pas un messager. Mm-hmm. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous aha, et moi. Aha! Hadia, Imam est la précise. Nous kuvuga kwemera ko nani Muhammad ni numa imana imana irahagije même si les gens te contredisent. Ah voilà, c'est comme ça que Dieu a dit. Aha. Même si les gens te contredisent, Dieu aussi est témoin que vous êtes le messager. Irahagije, c'est ça suffit. Irahagije, oui, ça suffit. Nago tushaka yabandi bavuge ndebera muri Coran 2:46 Korani kabiri Naam. 144 Hano njyewe sinshobora kuzana ibintu by'ama histoire. Non, na gore histoire yanzanye hano. Ici on ne peut pas amener des histoires, ce n'est pas l'histoire qui nous a amené ici. Iki nous tia tuzanye hano ni Coran na Bible. Ce qui nous a amené ici c'est le Coran et la Bible tout simplement. 144 OK. Korani kabiri 4:6-7. Naam. Abo twahaye igitabo baramuzi. Aha, uri kumva? Imana iravuga abo ubivuge mu gifaransa. Attends. C'est pasteur là auparavant, il a dit que les juifs même, les juifs même, ils étaient adorés, ils étaient les polythéistes. Aha. Mais Allah dans le Coran, il dit, c'est à qui nous avons donné les livres. Les livres? Ce sont les juifs. Aha. Ce sont les juifs. Les connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Baramuzi, ukobazi, abana, cha. Baramuzi, ukobazi, abana, babo. Les juifs connaissent by'ukuri agatsiko muri bo gahisha ukuri kandi bakuzi. Le verset coranique continue en disant que il est parti d'entre eux, donc d'entre les juifs, cachaient la vérité, alors qu'ils le savent. Très bien. Ils savent que Mahomet était le prophète. Ni abangaba bari kuhisha ukuri kandi ukuri iri kugaragara. Mais il cache la vérité, mais il sait que c'est la vérité que Mahomet était le prophète. Voilà. Il cache leur vérité. Oui, oui. Ukuri nyako.
ukuri nyako yego no guturutse kwa nyagasani wawe voilà. Yose ntube mu bashidikanya. Aha, le verset dans le Coran 147 continue en disant que la vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Donc Mahomet, c'est Dieu qui dit à Mahomet que ne doute point, parce que la vérité vient de Dieu. Voilà. Ce n'est pas pour les mécréants. Ce n'est pas pour les mécréants. Oui. Nago tushaka bonga abo bavuge. Bavuge byo bashaka ariko twebwe tukurikiza message y'Imana. Oui, nous nous souvenons les épreuves de Dieu, pas les épreuves des gens. Kubera abantu baravuga isi yose ishobora kugupinga ariko niba uri kumwe n'Imana irahagije. Même si tous les gens qui habitent ici au monde te contredisent, mais Dieu seul, il te suffit. Voilà. Reka tusome muri Korani 7:157. Imana irapresenta Muhammad. Korani 7:157. 157 kugeza 158. 157 haragira hati yego abamarayika abakurikira intumwa umuhanuzi utazi gusoma no kwandika voilà. Basanga yanditswe iwabo muri Taurati. Muri Taurati Muhammad yaravugwa. Abategeka ibyiza akababuza ibibi. Uri kumva uyu muntu? Akabazirurira ibyiza akabaziririza ibibi. Akanakuraho uburemere n'ingoyi n'amategeko. Amategeko yari imbere. Muhammad yarayigabanyije. Abamwemeye bakamwubaha, bakamushyigikira, yego, bakanakurikira urumuri, yego, yamanuriwe, abo nibo bakiranutse. Bakiranutse. 158. Yego. Namukurikire kugira ngo muyoboke. Il y a l'autre verset qui montre que Mohammed était le prophète de Dieu. Oui. Dans la sourate 7 du Coran, les 7 sourates, verset 157, Dieu dit que ceux qui suivent les messagers, les prophètes illettrés, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah, c'est-à-dire les juifs, il sait que le prophète Mohammed est le prophète de Dieu. Oui, il savait la vérité. On peut le trouver là, dans le Torah. Ce sont les livres qui ont été donnés aussi, la Torah. C'est ce que Dieu a parlé. Je lui ai donné les livres. Oui, il est très, vous voyez, la Torah et l'évangile de Jésus. Voilà. Vous voyez, il leur ordonne les convenables dans ce livre. Dieu a ordonné les juifs de faire les convenables. Voilà. Leur défend les blâmables. Voilà. Vous voyez, l'air il a incité les bonnes choses, voilà, l'air interdit les mauvaises, voilà, et l'air ôtait les fardons et le jeûne qui était sur eux. Ceux qui croient en lui, ceux qui croient à Mahomet, Yego, les soutiendront, lui portera secours, oui, et suivront la lumière descendue avec lui. Voilà. C'est là selon les gagnants. Aha. C'est-à-dire ceux qui suivent les Mahomet, voilà, vont les soutenir. Voilà. Après avoir les soutenus, ils vont avoir la réussite. Voilà. Le verset 158 dit... 158. Dieu dit dans le Coran, dit aux hommes, je suis pour vous tous les messagers d'Allah. Voilà. Vous voyez, c'est pas messager de Satan. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie. Et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-les en fait que vous soyez bien guidé. Voilà. Donc celui qui ne suivit pas le prophète Mahomet ne peut pas être guidé. Tu n'es pas guidé parce que Mahomet Jésus. Oui. Yesu ni na Muhammad. Oui. Na bavandimwe. Oui, parce que Mahomet et Jésus étaient les frères. Bose na bazukuru ba Ibrahim. Oui, c'est ça. Voilà, mu maraso ku kazi nago barabaje kupingana. Oui, oui. Muhammad yari mu Islam, Yesu yari mu Islam. Oui. Voilà. Mahomet était musulman, Jésus était musulman. Kugira ngo tumenye reba muri Yesaya. Muri Bibiliya, pasipa tutize Bibiliya. Yesaya, tumve Yesaya, ese koko Muhammad yahanuwe mu Bibiliya kwa kuni bavuze muri Torati, muri Injili, niyo tugiye kureba sasa. Yesaya Izayi. Yesaya Izayi.
Muki France c'est Isaïe. 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 Combien? 21:13. Dans la Bible, nous allons voir si le prophète Mahomet était là dans la, était mentionné dans la Bible, dans le chapitre Esaïe. 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 21:13. Mokonya na rimwe 13 haragira hati. 21:13. Ibihanurwa Arabia. Uri kumva? Ibihanurwa Arabia. Pasteur azambire niye numwe yabaturutse Arabia. Naundi ni numwe imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Bible, naundi ce qui est révélé en Arabie voilà. Saoudite. Aha. C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit. Ce qui est révélé en Arabie Saoudite. Est-ce que Yesu yarakandagi Arabie Saoudite? Non. Jésus n'était pas là-bas en Arabie Saoudite. Non, non. C'est Mahomet. Uwo nuwo ngo bari kuvuga. Ari abantu bakunda kwibaza impamvu batamuvuze ku izina. Na Yesu muri mu isezerano rya kera nago yavuzwe ku izina. Nago shobora kuvuga izina ry'umwana igihe ataravuka. Nukuvuga Yesu yaje kuvugwa mu injili kubera amaze kuba. Ariko mu isezerano rya kera baramuhanuraga mu bimenyeto. Bakamenya ko n'uyu nguyu koko yaje. Ariko igihe ataravuka nago bashobora kuvuga numa mu izina. Voilà. Niyo mpamvu izina rya Muhammadi itari muri Biblia kubera igihe cya Biblia Muhammadi ataravuka. Baramuhanura mu bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere baravuga ni gihugu azaturuka. Voilà. On ne peut pas mentionner le nom de Mahomet dans la Bible, mais on dit son origine. Voilà. Parce qu'on ne peut pas le mentionner parce qu'il n'était pas encore né. Voilà. C'est comme ça. Uturebere mu kutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri. 33:1. 33 umurongo waho wa mbere gutegeka kwa kabiri. Deuteronome. Deuteronome. Gutegeka kwa kabiri 33. Deuteronome. Umurongo wa mbere. Uyu ni umugisha Mose umuntu w'Imana yahesheje Abisiraheli agiye gupfa ati Uwiteka yaturutse kuri Sinai y'Iburasirazuba atungutse kuri Seyiri yuba yabaviriye atungutse ku musozi wa Parani ava hagati muri bene inzovu nyinshi iburyo bwe aturuka umuriro w'amategeko ye arawuboherereza bas urumva niba Imana yaravuze muri Korani abantu bahawe bitabo imbere Mose yahawe Tawurati Korani iravuga Muhammad yaravuga muri Tawurati uyu ni Mose aravuga Parani pasteur azambire Parani ni hehe Parani ni hehe ni muri Arabie Saoudite na agwari mu Israeli même dans la Bible concernant la Torah on a mentionné l'arrivée de Mahomet comme ça si le pasteur peut nous montrer ce qui se dit dans la Bible parce que on mentionne que Mahomet on avait prévoyé de lui parce qu'il n'était pas encore né mais on lui a raconté l'histoire que il viendra pour être un prophète voilà niyo mpamvu Pasteur arebe neza ibintu ari kuvuga njye ndashaka imirongo ya Biblia cyangwa Coran kandi imirongo agiye kutanga ayisome neza ayisome neza dore yazanye umurongo iri kumukubita hasi il faut que le pasteur nous donne des versets bibliques qui convaincantes qui montrent que vraiment Mahomet vraiment n'était pas le prophète de Dieu et de Dieu il faut où il est le prophète de Satan. Oui, ou bien aho byanditswe muri Korani cyangwa muri Bibiliya ivuga Muhammad ni numa ya Shetani. Ariko nabwo ari imvugo y'abantu. Abantu baravuga byinshi. Rero usomere itangiriro 21:14. Itangiriro kangahe? 21:21. Itangiriro 21:21. 22 umurongo wa 14. Umurongo waho wa 14 haragira hati Itangiriro 21:21 murongo waho wa 14 Aburahamu azinduka kare kare. Aburahamu azinduka kare kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi. Abihagari abishyira ku rutugu rwe. Avala. Amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo. Asezera ku azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya
ya mvumba ishiramo amazi arambika umwana hasi y'igihuru cyaho aragenda yicara amwerekeye amuhaye intera nkaho umuntu yarasa umwambi kuko yibwiraga ati ni kure nkaho yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa yicara amwerekeye atera hejuru ararira vala agarara hari icyo ndashaka kwereka hano Abraham kuva iwabo kugenda hariya mu Arabie Saoudite yari mu burenganzira bw'Imana nago ari yari mu busambanyi nago ari yari mu commerce n'uburyo bwo kumupangira kubera ubuzima bwacu n'Imana ibipanga voilà nago ari ibintu by'ubusambanyi bihari le verset biblique montre que Abraham a quitté là où il s'est trouvé jusqu'à la Makkah c'était pour l'ordre de Dieu voilà en bref c'est ça na Yesu kubera baravuga ni muri injili yaravugwa na Yesu yavuze Muhammadi uturebere muri Korani 61:6 Korani kwanza même Jésus a annoncé l'arrivée de Mahomet gatandatu dans le livre de Jésus l'injili voilà l'évangile Korani 61:6 satu na rimwe gatandatu zirikana ubwo Isa mwene Maria yavugaga ati aha yemwe bana ba Israheli yemwe bana ba Israheli mu byukuri gende intumwa ya Allah kuri mwe ico turabyemera tuba ba Israheli muko Yesu ni intumwa yanjye aha nemeza ibiri imbere yanjye byo muri Tawurati yego nanatanga inkuru nziza y'intumwa izaza nyuma yanjye inumwa izaza nyuma yanjye ryayo ni Ahmadi abazaniye ibitangaza yego baravuze bati yego ubu ni uburozi bugaragara aha ça de quel verset verset 60 chapitre 61 verset 6 61 dans le Coran aha 61 verset 6 verset 6 attends sois un peu souple hein? Oui verset 6 Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ça c'est le verset qui montre que même Jésus a annoncé l'arrivée de Mahomet dans le Coran, après lui, oui, aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Voilà. C'est Jésus qui dit à ses camarades, les Juifs. Les Juifs. Confirmateurs de ce qui est dans le Torah, parce que le Torah était avant Jésus. Avant Jésus. Vous voyez. Et antérieur à moi, vous voyez. Et annonciateur des messagers à venir après moi, voilà. Dont le nom sera Ahmad. Voilà. Vous voyez? Donc Jésus a annoncé l'arrivée de Mahomet. Avant même. Et quand il était encore au monde. Oui, quand il était encore au monde. Son nom sera Ahmad. Aramuzi, quoi qu'on dit, corona, il a vuga. Abobanu, baramuzi, mukobazi, abanababo. Oui, les gens se connaissent. Acha, bariako. Turebe muri Biblia Yohana 16:7 Yohana 16 bashobora kuvuga ni muri Korani ariko muri Biblia ariko hano bapasteri barashaka kuhindura ibintu iyo ma montage bakunda kukora ariko hano amagambo iri clair Yohana 16:7 haragira hati yego ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira uri kumva ari uko nge ngenda aha ko nintagenda umufasha atazazaho muri tegereza gato ya umufasha nago ari umuka wera umufasha ni umuntu tufate urugero kwa Adam Imana yamuhaye umufasha ni umuka wera niki sumugore umugore nago ari umuntu umufasha ni umuntu ariko hano mu bantu wenda batize theologie baravuga ni umuka wera no umufasha mu kinyarwanda ni umuntu gufasha nago ari umuka wera umufasha ni umufasha komeza chef murongora komeza ugira uti yego ubwo aza ariko ningenda nzamuboherereza voilà ubwo azaza azaza uri kumva kinyarwanda kiriya azaza ni umuntu azaza ubwo azaza aha niba yari ikintu azatsinda bisi abemeza iby'icyaha voilà nibyo Muhammad yarakoze nibyo gukiranuka yego nibyo amateka aha uri kumva oui ça c'est le verset dans la bible de Jean
qui montre que Jésus même a mentionné que Mahomet viendra. Oui, il a prophétisé. Oui, il a prophétisé, viendra pour aider les gens. Umurongo wa nyuma ariko ndaza kuyitanga nyuma wenda mu bitekerezo wenda mu bibazo ariko muvandimwe kuva yaravuze na murongo umwe yaratanze muri Bibiliya cyangwa muri Korani ivuga ngo Muhammad nagwa ari numwe y'Imana niyo tushaka yari numwe ya Shetani ariko kutuzanira amateka Yesu afite amateka Musa afite mateka mateka nago biganiriza uyu muntu ni numa cyangwa nago ari numa no oui. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre frère pasteur vraiment quand il a commencé à s'exprimer sur le débat là, il n'a pas montré même les versets coraniques qui montrent que Mahomet n'était pas le prophète de Dieu ou bien était le prophète de Satan. Même dans les Bibles, il n'a pas montré même les versets qui montrent que Mahomet était un homme comme les autres hommes, n'était pas le messager de Dieu, ou bien était le versets qu'il a reçu, c'était le versets de Satan. Question. Le calero do fate akanya kachonde ho ngira ngo tumaze kumva impande zombi. On va prendre du temps parce que nous venons de d'écouter deux côtés. Pasteur umwanya yakoresheje neza ndetse na Alhaji umwanya yakoresheje neza. Le pasteur a utilisé son temps bien. Alhaji Sege a utilisé son temps bien. Ubwo twa tugiye kwinjira umwanya wibazo hagati ya bombo ko ari babiri. Nous allons commencer maintenant à recevoir des questions. Pasteur arabaza Alhaji ikibazo kimwe. Le pasteur va demander à Alhaji une question. Haji agisubize. Et Hadi va répondre. Après ça, le Hadi lui aussi va demander le pasteur une question. Pasteur nawe gisubize. Le pasteur va répondre. Nyuma turanya tumukindi kibazo kibe ko ni bibazo bibiri kuri buri muntu. Après ça, on va lui donner le pasteur une autre question. Ubundi turi buze kuza guha numwanya abaduteze amatwi ndetse banatureba kugira ngo nabo babaze. On va donner après ça, on va donner l'occasion aussi les gens qui écoutent ce débat pour demander. Hari umurongo wa telefone uriho mushobora kuza guhamagaraho. Il y a une ligne téléphonique que vous pouvez utiliser à appeler. Abari mu gihugu hagati barahamagara kuri 07. Celui qui se trouve dans le pays, ils vont appeler sur 07 8 9 64 19 16. Naho abari hanze y'igihugu, celui qui habite à l'étranger, bo barahamagara kuri baratangira akabitso guteranya. Il faut commencer à appeler s'il a commencé s'il les signes de plus 250 250 73 73 kabiri 2 45 45 37 37. Tubuze kuza kubakira rero kugira ngo muze kuza kubaza ibibazo byanyu mu ubaza pasteur ngo pasteur aza kumusubiza. On va recevoir votre question, c'est lui qui va demander le pasteur. Pasteur lui va demander et lui donner la réponse. Nuza kubaza Alhaji Sege na ubwo araza kumusubiza. C'est lui qui va demander Alhaji Sege, Alhaji va vous donner la réponse. Mwenye katuye pasteur. On donne la place là à pasteur. Murakoze cyane. Je vous remercie beaucoup. C'est combien de minutes? Une minute. Une minute. Ikibazo ni umunota umwe. Seda avuze ku bintu bitandukanye. Alhaja di différentes choses. Arimo yerekana ko ngo Imana yagiye presenta Muhammadi. Il a montré que Dieu a présenté le prophète. Yakomeje kugenda asoma muri Korowani yerekana uko ngo Imana presenta Muhammadi. Il a continué à se baser sur le Coran qui montre que le Dieu a présenté le prophète Mahomet. Ariko twashatse mu bitabo by'Abayuda ho imu presenta turabibura. Mais nous avons cherché dans les livres de Yuda, là où il y a le présentateur de Mahomet, on l'a manqué. Ce sont des choses falsifiées. Parce qu'il a dit, c'est lui qui est révélé sur l'Arabia. C'est lui qui est révélé sur les Paran. Nous avons manqué ceux qui sont dits sur Mahomet, nous les manquons. Je lui demande la question. Qui est dans le Matthieu, chapitre 11, les lignes 13. Murahasoma. Vous allez les lire.
Matayo 11 Matthieu 11 verset 13 Matayo 11 umurongo wa 13 haragira hati 11 13 haragira ati kuko abahanuzi bose n'amategeko nibyo yego kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana hagararire nushaka ntukomeze dans la bible l'année de Matthieu 11-13 il dit parce que tous les prophètes et les lois sont révélés aha murabona neza ko aya magambo yivugirwaga na Yesu. Vous voyez que ces mots-là ont été, c'est Jésus qui l'a dit. Yes, avuga ko abahanuzi n'amategeko byahanuye kugeza ku gihe cya Yohana. Jésus a dit les prophètes, la prophétie et les lois sont venus à la limite des gens. Non, uyu muhanuzi Muhammadi yabagaragaye ate kandi Yesu avuga ko abahanuzi bagarukira ku gihe cya Yohana. Est-ce que à ce moment-là, les prophètes Mahomet où est les preuves qui montrent que c'était les prophètes alors que la Bible montre que la prophétie et les lois c'était limité sur les gens. Bivuga ngo ibyo yerekana muri Korowani ko Yesu yavuze bihabanye n'ibyo muri Bibiliya mu bitabo by'Abayahudi byavuzwe. C'est-à-dire que Al-Hadji Sege ce qui a montré dans le Coran qui dit que les prophètes Mahomet était le messager de Dieu. C'est le mensonge, c'est parce que dans les livres des juifs, on ne peut pas les trouver ça. Ikibazo rero kikaba ari ukubaza ahubwo Seda. La question est demandée et se demander si le Al-Hajj. Natwereka ahantu hagaragara nyirizina mu byanditswe by'Abayahudi. Il va nous montrer les épreuves dans les écrits des juifs. Ahavuzwe kuri Muhammadi ye kuvuga ku bintu byo mu kirere gusa. Là où Mahomet mentionné dans les écrits des juifs. Avuga imidugudu n'imidugudu nasobanura ahantu hagaragara. Oui. Nuko byerekana muri Korowani. Oui, il va montrer les épreuves qui montrent que dans les écrits des juifs, Mahomet était mentionné là-bas. Oui, wasubiza. OK. Icya mbere pasteur yaravuga arashaka mu bitabo by'Abayuda. Ari kitabo kimana kitwa bitabo by'Abayuda. Pasteur vemo il utilise le livre de juifs. Est-ce que il y a le livre des juifs? Un livre de Dieu. De Dieu. De juifs. De juifs. Nayo. Il n'y en a pas. Tu fite Taurati. On a le Torah. Tu fite Zabur. On a le Zabur. Tu fite Injili. On a l'Évangile. Tu fite Coran. On a le Coran. Ibyo byose nibyo bitabo imana. Ce sont les livres que Dieu a révélés. Ariko na livre ihari y'Abayuda y'Imana. Il n'y a pas les livres de Juda ou bien de Juifs. Ariko Abayuda baravugwa. Mais on mentionne les Juifs dans les écrits d'Imana. Dans les écrits de Dieu. Ariko na livre ihari. Mais il n'y a pas les livres de Juifs. Voyez que ni bino bitafite la fondation. Oui, ce sont des choses vraiment qui contredisent. Aravuga ubutumwa bwaragarukiye kwa Yohana. Sawa. Oui. Nasubiye mu magambo yanje. Yohana yari mbere ya Yesu. Yesu yaje kukomeza nyuma ya Yohana. Kubera barafunze Yohana. Oui. Voilà. Oui, pasteur il dit que toutes les prophéties étaient limitées sur le prophète Jean. Alors que Jean a existé avant même Jésus. Même période, mais Jésus a continué. Et Jésus a continué. Mais, rekanimweleke, nahariya yavuze, rekanimuhe murongo, igaragaza ko hariya bari kwa nurande, Muhammadi. Naramubwiye, Muhammadi, izina nagori muri Bibiliya, abyumve neza, izina Muhammadi, nagori muri Bibiliya, kwa kundi izina Yesu itari mu isezerano rya kera. Nanyereka izina Yesu mu isezerano rya kera, ambatisi. Ariko natanyereka nuko nguko na Yesu mu isezerano mu Biblia izina nago ihari sababu alikuwa hajafika. Ok, vraiment je vais lui donner un exemple, une preuve dans la Bible qui montre que Mahomet était mentionné. Même si on ne mentionne pas les noms Mahomet, mais les écrits montrent que Mahomet est mentionné là-bas parce que Mahomet n'était pas encore né comme ça. Mais dans les écrits des anciens, Ancien Testament,
on ne peut pas mentionner le nom Jésus. Voilà. Parce qu'il n'était pas encore venu. Voilà. Vous voyez. Mais le Nouveau Testament, on a mentionné le nom Jésus. Parce qu'il était présent déjà. Il était présent déjà à l'époque. Il était présent à l'époque. On se met muri Yohana. Iyo Yohana yavuze. Yohana limo chuminikenda. On va lire Jean. Yohana limo chuminikenda. Jean 19, verset 19. Voilà. Yohana rimwe 19 haragira ati ibi ni byo Yohana yahamije ibi ni byo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewe voilà bavanywe hano abayuda baravugwa ariko nago ari gitabo cyabo bavanywe i Yerusalemu yego no kumubaza bati babaza bati urinde nuko ntiyabahisha ntiyabahisha ukuri ahubwo araberurira ati sije Kristo uri kumva kubera Yesu yamaze kuba hano ku isi Yohana aravuga nago ari njye we Kristo nuko baramubaza bati baronga arahakana ko we nago ari Yesu kubera bari meme periode ku isi nuko baramubaza bati yego tubwira uri Eliya uri Eliya kubera Eliya nawe yari hano ku isi nawe ati sindiwe bati uri wa muhanuzi uri kumva uri wa nigiye kizaza uri wa nuko bahanuraga nde Muhammadi nago bavugaga Yesu reba mu byayeshuwe arabasubiza ati oya oya reba mu byayeshuwe 19 11 kugeza 16 ibyayeshuwe 19 hariya ni mimi magambo ya Yohana mamete mentionné ariko aravuga hariya ku Matayo ni Yesu arivuga oya ku Matayo ni diskuru ya Matayo ya Matthieu ibyayeshuwe 19 murongo 11 19:11 haragira hati reka reka ndimbata mugenzi wawe 19:11 mbona ijuru rikinguye Yohana bavuga mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarasi y'umweru ifarasi yabonye ifarasi y'umweru ihetswe nayo yitwa uwo kwizera uri kumva umuntu ari ku iyo farasi itwa ukwizerwa niyo zina Muhammad baramuhamagara kandi nawe yabivuze mukanya hano kandi w'ukuri Yesu nago yitwaga ukwizerwa cyangwa w'ukuri no iyo ni zina Muhammad sifa alikuwa nayo ndio ilifika watu wamwite hivyo nuko baramuhamagaye musifa yafite imico myiza aha nago ari bari kuvuga bucuruzi bucuruzi neza mbona ijuru rikinguye yego kandi ngiye kubona mbona ifarasi y'umweru aha ihetswe uhetswe nayo iyo farasi nayo yego yitwa kwizerwa kandi ukuri aha komeza chefe niwe kugeza 16 akarwana intambara zikwiriye tegereza uwo muntu azarwana intambara Yesu yaragwana intambara bashaka kumukubita rakwepa ariko Muhammad yaragwanye iyo wenyine yavuze Muhammad yarageze Maka Madina akasubira hehe Maka mu ntambara iyo niyo dalili ya inuma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaso ye ni ibirimo by'umuriro voilà nuko amaso ya Muhammad yarahari afite ibisigo byinshi ibisigo vilemba Yesu nago yambaye vilemba kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu uwo ari we wese nibyo navugaga keretse we wenyine nago baravuze izina ya Muhammad mu iki gitabo kefu soma yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana voilà ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarasi y'imyeru zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye voilà iyo ni dalili ni masinye y'inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguko banuraga Yesu mu bimenyetso bitavugwa mu izina arabizi neza mu isezerano rya kera Yesu arahanurwa ariko na zina bavuze niba tugiye mu kuhanurwa rero Ibrahim yarahanuwe hehe kugira ngo tumwemere ko ni inuma azaza hehe ariko turamwemera ko ni numwe imana Mose mbere y'ukuza kwisi nihe baramuhanuye kugira ngo tumwemere nago twemere numwa paka bamuhanuye no turabemera mu bikorwa byabo oui dans les épreuves bibliques que le Hadj Kamana a donné dans la Bible a montré que Mahomet il a la prophétie qui dit l'arrivée de Mahomet
même si on n'est pas encore mentionné les noms, mais ça montre que c'est celui qui viendra ici au monde avec une révélation. Même dans les Anciens Testaments, parce que même les prophètes Moussa, Moïse, on ne l'a pas mentionné. Même Ibrahim, mais nous croyons que Moïse était le prophète. Voilà. Nous croyons que Ibrahim était le prophète. Nous croyons les autres, même si on ne les a pas mentionnés dans la Bible. Même si Mahomet n'était pas mentionné les noms, mais il a la prophétie dans la Bible qui montre que Mahomet, il viendra ici au monde pour remplacer Jésus et les autres prophètes qui sont son précédents. C'est ça. Non, je ne sais pas si pasteur, il a dit que tu as dit que tu as dit pasteur, tu as dit que tu as dit que tu as dit njewe na bintu byinshi mfite byo kubaza pasteur aravuga amateka histoire twese twize histoire njewe nize histoire paka ku université histoire nize ariko histoire ni nanagwari bitabo by'Imana no histoire ni umuntu arafata karamu akakora recherche akandika kwa kundi n'usoma muri Luka igice cya kane umurongo wa mbere uzasanga uburyo banditse bibilia no buryo bwa ma recherche nago ari mu mbaraga z'umuka ikibazo cyawe ikibazo cyanje ni iki ngiki ndashaka sinshaka kusaba inyama umuntu anzanira inyanya simbishaka ikibazo cyanje pasteur anyereke muri Korani cyangwa muri Bible ibi bitabo bibiri aho byanditswe Muhammad nago ari numwe y'Imana sinshaka ibindi bitabo sinshaka histoire mu bitabo by'Imana nibyo byatuzanye hano. OK. Auparavant, les pasteurs ont montré des histoires concernant les Mahomet. Nous ne ferons pas des histoires ici parce qu'on a étudié des histoires à l'université, beaucoup des histoires. Les histoires, ce sont des écrits des gens. Comme ça, moi je vais une chose, je vais poser une question à pasteur. Il va me montrer les épreuves dans les Bibles, dans les versets, Coran, les versets dans la Bible ou soit dans les Coran. Oui, dans les Bibles soit dans les Coran qui montrent que Mahomet n'était pas le prophète de Dieu. Tout simplement. Pas passer à côté ou bien pas passer à droite. Non, non, non. Il va être en direct. Murakoze. Ikibazo nabajije kugeza iyi saha seda ntabwo yigeze agisubiza. Ahubwo yaciye ku ruhande gusa agenda avuga utuntu two gushakisha ariko ntabwo yigeze asubiza ikibazo nyirizina namubajije. Mais la question est ici que la question que j'ai posée à Al-Hadj Sege n'a pas donné la réponse. Il a passé des sentiers, il a passé là-bas, il vient ici, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas répondu à ma question. Quand il ne cherche pas comme vous m'avez avoué de ne bien suivre tant de canyons, tel que tu en fais canicha quoi, et tu y as besoin de quoi de quelque chose. Même s'il a parlé beaucoup de choses, c'est-à-dire que il n'a pas, ce n'est pas la réponse. Ikibazo nari namubajije cyanditse muri Matayo 11:13. Ngira ngo yako yabise nubwo wenda utanyuzwe. Niho ngiye gukomereza musubiza. Wahita usubiza wowe ahubwo. Ikibazo cyo cyanditse muri Matayo 11:13. Amagambo Yesu ubwe yivugiye. Matthieu 15:13. Yego. Twasome? Oya twanahasomye sina ngombwa ko dusubiramo. Ce sont les mots que Jésus a dit lui-même dans la Bible. Yesu yavuze ko Jésus a dit abahanuzi n'amategeko. Jésus a dit les prophètes et les lois byahanuye kugeza ku gihe cya Yohana ont été révélés jusqu'à la limite des prophètes Jean. Wa muhanuzi wari wajeje gutegura inzira ya Kristo Messia. Le prophète Jean, c'est celui qui le prophète qui a été venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Yesu ubwe yivugira ko aho ariho abahanuzi bagarukiye. Jésus a dit que c'est ça la fin de prophétie là-bas. Yaba yatweretse ahandi hantu hagaragaza ko Yesu yaba yarivuguruje avuga ko kandi hari unduzaza. Est-ce que Al-Hadj Sege il a dit qu'il y a une autre verset qui contredit qui dit que Jésus a dit qu'il y aura un autre messager après lui? Yavuze ahantu handitse muri Yohana havuga ngo nzaboherereza umufasha. Il a dit dans le Jean dans la Bible que on va envoyer celui qui va vous aider. Ibyanditswe byera by'ubwabyo birisobanura.
Les écrits dans la Bible, les écrits, ils se supplique même. Yesa vuga ko umufasha azohereza ari umwuka wera. Jésus a dit qu'il envoyera un aide d'esprit. Uzaza kubana nabo. Les esprits qui vont vivre avec eux. Ntabwo yigeze avuga ko ari umufasha w'umuntu usanzwe. Jésus n'a pas dit qu'il viendra un homme en tant qu'individu. Iki rero ni ugushaka kujijisha abantu. Ça c'est pour c'est plus compliqué les gens. Kwari bintu byo mu kirere gusa. Wasubiza ikibazo noneho. None rero gusubiza ikibazo pour répondre à la question. Ndagarukana none ku ijambo rindi yavuze. Je vais retourner alors si le mot qu'il a dit. Ryanditse muri Yohani gice cya mbere dans la Bible John Jean partie 1 umurongo wa 19 kugeza kwa 26. Les lignes 19 jusqu'à 16. Ni bahasome. On va la lire. Jacques Yohana gice cya mbere 19 kugeza 26. 19 kugeza 26. Ibi nibyo Yohana yahamije ubwo Abayuda bamubazaga bamutumagaho abatambyi n'abari. Ibi nibyo Yohana yahamije. Ça c'est ce que Jean a témoigné. Ubwo Abayuda bamutumagaho abatambyi. Lorsque les Juifs ou bien les Juifs lui ont envoyé les gens de temple là-bas. Komeza. Bavanywe i Yerusalemu no kumubaza bati urinde. Ngo bavanywe i Yerusalemu no kumubaza ngo urinde. Ils sont venus d'Israël pour arriver pour lui demander qui êtes-vous. Nuko ntiyabahisha ukuri ahubwo araberurira ati lui l'a dit la vérité en disant que si je Christo. Je ne suis pas Jésus-Christ. Nuko baramubaza bati tubwire uri Elia. On a continué à lui demander est-ce que vous êtes Élie. Nawe ati sindiwe. Lui il a répondu je ne suis pas Élie. Bati uri wa muhanuzi. Est-ce que vous êtes l'autre prophète? Arabasubiza ati oya. Il a répondu non. Ni Bibiliya. Ibyo yavuze avuga ko Yohana yavuze ko atari Kristo. Ce qu'il a dit que Yohana, Jean a dit que ce n'était pas lui le Christ, le Jésus-Christ. Biranditse koko ko Yohana yavuze ko atari Kristo. C'est la vérité que Jean a dit que vraiment ce n'était pas le Christ. Nibyo Yohana yavuze ko atari Elia. Ce que Jean a dit qu'il n'était pas Elie. Biranditse koko ko atari Elia muri icyo gihe yashakaga. Ça s'écrit vraiment qu'il n'était pas Elie. Nibyo yavuze ko atari wa muhanuzi. Même ce qu'il a dit qu'il n'était pas un prophète. Biranditse koko ko yari yavuze ko atari wa muhanuzi. Ça s'écrit qu'il n'était pas un prophète. Ese uwo muhanuzi wavugwaga yari uwe. Ese qui est mentionné ici le prophète? C'est qui est mentionné ici? Le prophète. Aboniho hari ikibazo. Ça c'est le problème là-bas. Iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri. Mu gutegeka kwa kabiri. Ibice 18 Deutéronome. On va voir le chapitre biblique Deutéronome 18 ku murongo wa 15 la ligne 15 haragira ati Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje ushake hagararira DSL va vous révéler un prophète comme moi. Uyu muhanuzi ni Musa wari waramuvuze. C'était prophète, c'était le Moïse qui l'a dit. Abandi bahanuzi bari baragiye bavuga ko hazaza Messia cyangwa Kristo. Les autres prophéties ont dit qu'il viendra le Messie ou bien Christ. Kandi byanditswe byera bigaragaza ko uwo Messia yaje kuba Yesu. Nicyo ndi gusubiza, ndi kugisubiza. Niho ngeze. Nkurikije uko yabaye. Aho niho ndi mwinca mu ijambo. Nibishaka indi myanya ihagarare ariko iki kintu nta ngitambutse nicyo gikubiye iki gitambutse ariko tusubiza nyuma yahangana undi muntu mutanga gusubiza nta wundi ntanga. Okay. Abandi bahanuzi bari baravuze ibya Mesiya ari we Kristo biza gusohorera kuri Yesu. Les autres prophéties ont annoncé l'arrivée de Messie mais c'est lui le Messie le Jésus qui est mentionné. Ariko Musa we avuga iby'umuhanuzi uzaza. Mais dès que Moïse a dit si le prophète qui viendra,
ntabwo yari yasobanuye uwo ari we n'était pas mentionné celui qui est le prophète mu buryo burambuye nkuko abandi bahanuzi bari baragiye babivuga d'une façon explicitement ariko ibyanditswe bitwereka neza ko uwo musa nawe yavugaga mais les écrits montrent que ce que Moïse a dit yari Christ c'était Jésus aha rero mukaba mubona neza ko impamvu bari yababazaga ngo esureliya esuri Kristo esuri wa muhanuzi bari bari guhuzagurika c'est que ils ont demandé est-ce que vous êtes Élie vous êtes le prophète ils étaient et même contredisent mukubaza Yohana uwo yagombye kuba ari we oui en demandant Jésus c'est qui est le prophète vraiment kuko batasobanukirwaga umuhanuzi Musa yavuze ko ahuye nuwo baba hanuzi bandi bari parce qu'il n'était pas entendu celui là pour gasubira ikibazo none nyango byumvikanye uyu mwanya rero abaje ikibazo ati erekana muri bibilia cyangwa se muri Korani aho havuga ko Muhammad atari intumwa Seger Al-Hajj a demandé vraiment demandé à pasteur montrez-nous les épreuves dans le Coran ou bien dans les Bibles qui montrent que Mahomet n'était pas le messager de Dieu n'était pas le prophète ahavuga ko Muhammad atari intumwa oui ce qui montre que le prophète Mahomet n'était pas le prophète naha muri Matayo 11:13 il était dans les Matthieu 11:13 hatubwiye ko guhana abahanuzi n'amategeko byarangiriye kugiye cyamuhasa ce qui montre que le prophète et les lois de Dieu ont été limités si le prophète Jean. Bivuga ngo ubwo buhanuzi bwa Muhammad ntituzi yo buturuka. C'est-à-dire que la prophétie de Mahomet on ne savait même pas l'origine. Ahubwo we yatwereka aho Muhammad ari kuvugwa kandi. OK, lui le Al-Hajj il peut nous montrer là où est mentionné le Mahomet. OK. Sinzi niba nabaza ikibazo nange cyangwa agiye gusubiza. Oya abaza ikibazo cyawe na kibazo. Urabanza usubize cyangwa mbaze n'ikibazo? Niba wa mai burenganzira kusubiza iki kibazo gisubize hanyuma mbaza ikibazo njewe mu kibazo pasteur yabajije ndashaka akurikirane neza cyambere yavuze muri Yohana iyo murongo natanze 16:7 aravuga umuka pasteur asome neza cyangwa asubire ku ishuri arahantu Yesu yaravuze mubigishwa nzaboherereza umuka wera iratandukana no kumuhanura Muhammad mubigishwa yaravuze nzaboherereza umuka wera iyo ndabyemera ariko hano nago yavuze umuka wera umufasha yaravuze umufasha atandukanyize umufasha cyangwa umuka wera asome neze iyo mirongo ebyiri iratandukana ico ni cyambere aravuga kuri Matayo Chumina ndashimira Imana aravuga ubuhanuzi bwose baragarukiye kwa Yohana sawa urakoze kubera hano muri Yesaya 29:11 uyu Yesaya ni mbere ya Yohana kutegeka kwa kabiri ni mbere ya Yohana itangiriro imbere ya Yohana nukuvuga ubuhanuzi bwose wa Muhammad twatanze mbere ya Yohana nukuri nawe nagwa bipinga ariko nyuma ya Yohana aravuga ni binyoma sibyo nukuvuga njewe nta kibazo mfite ubuhanuzi bwayo wa Muhammad iri imbere ya Yohana turabyemera nyuma ya Yohana tureke kubyemera kutegeka kwa kabiri ni imbere ya Yohana Yesaya ni imbere ya Yohana byose ni imbere ya Yohana nukuvuga byose nukuri alhamdulillah nago havuze nyuma ya Yohana byose njye nagarukiye kwa Yohana nukuvuga ibyandi soma nakangaka shekhe soma akangaka Yesaya 29:11 Yesaya 29:11 haragira hati Yesaya 29 Yesaya 29 11 murongo waho wa 11 29:11 haragira hati 29:11 haragira hati kwerekwa kose kwabahindukiye nk'amagambo yo mu gitabo gifatanishijwe ikimenyetso iyo bagihaye umuntu wigishijwe ati soma igitabo akabasubiza ati simbasha kugisoma yego kuko gifatanishijwe ikimenyetso aha tuliye shehe
ninde inuma imana bahaye gitabo akavuga simbasha kusoma kubera nago nigishije ni inuma imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam igiye Jibril yaraje kumusanga hariya yavuze yaragiye mu buhobo sizi kusenga ba demon byari byinshi ese nitumubaza pasteur nihe byanditse umuhobo ama demon byari mu buhobo azaduha munongo kweli atenwa Yero twebwe idalili iragaragara baramuhaye inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam soma igitabo akavuga sinzi kusoma iyo ni dalili twasanze muri Biblia no muri Korani rero na mpamvu iyo dalili urebe muri Korani na mpamvu y'ukusoma abaze kibazo cha kabiri 96:1 jusqu'à 5 hariya niyo twasanze inyandiko baha muri Korani agenda asome neza baha inuma y'Imana bitabo akanga kusoma kubira nago azi kusoma reka twasome la bible montre que on a donné le livre reka twasome Coran 96:6 que moi je ne sais pas lire voilà c'est le prophète Mahomet Coran Yesu nago bamwa igitabo soma ange kufata igitabo ayangi Coran iyo dalili nago ni kwa Yesu haragira hati yego soma ku izina rya nyagasani wawe uri kumva malaika Jibril abwira Muhammad soma mabu yaremye umuntu mu rusoro yego soma nyagasoma nyagasani wawe umunyacyubahiro cyane aha we wigishije akoresheje ikaramu sawa yigishije umuntu ijya tarazi yego oya hoya aranga umuntu arigomeka aha kuba yibona ko akize voilà byo kuri kwa nyagasani wawe niho garukiro voilà ne ko na montre que dans la sourate 96 verset 1 Jusqu'à 5. Montrez que Mahomet n'était pas. Ne savait pas lire, ni écrire. Ni écrire. Parce que le verset 1 dit: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adorance. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Non, je vais vous dire. Pasa tujye kumenya ikibazo kimwe abaze sege na sege agisubize ariko none tugerageze tugisubize mu minota ariko ikibazo kimwe kiri kuba gike cyane kuko abantu bari gukurikira ukuri ikibazo kimwe ikibazo kimwe n'abantu basanishije n'abantu bari gutwafi minota 30 cyangwa se 40 ubwa kiri ikibazo kimwe ariko ngiye kuba juste kabisa kuburyo iki kibazo ugiye kukibaza mu minota 2 nigera kitararangiye ngo ndaguhagarika sege aragisubiza mu minota 5 nirenga nubwo ndabihagarika kora yuko aho ntabwo dushaka kwigisha ngo turashaka kugira ngo bazi ikibazo niba iki gitabo ari Korani bazi iki gitabo ni Korani agusubiza ati ni Korani cyangwa siyo tu simple twagiye mwanya nowe pate sege ari kubazwa ikibazo mu minota 2 agasubizwa mu minota 5 ariko na pasteur Claude yabazwa ikibazo mu minota 2 agasubiza ndibaza ko ndiho ndakoresha kuri n'abantu bari hariya bari barayibona naguhaye umwanya rwose ugusubiza ikibazo gusubije utafi 30 aha ariko noneho reka twihangane ndagira ngo ukoreshe uburinganire dukoshe uburinganire ikibazo niba ari minota hawe aba ariyo mpabwa kubaza kuko twese dufite ibyo tugomba kuba tubwira abantu ntabwo ari ukuvuga ngo ubaze urabaza mu minota 2 agusubize muri 5 akubaze muri 2 usubize muri 5 n'ibyo cyiza kwagiye ngiye kuyibara baze ikibazo cyawe twatangiye ubwo nge natangiye kubara on donne une autre chance à pasteur pour demander une nasome muri Yohana ibice 14 umurongo wa 15 Yohana 14 Yohana ibice 14 umurongo wa 15 Yohana 14 umurongo wa 15 eh urahasoma ubwo ikibazo cyanjye niho kiri 14 15 sibyo yego 14 15 na 17 nimukunda nimunkunda muzindira amategeko yanjye yego nanjye nzaba nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose azaboherereza undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose 17 17 niwe mwuka ukuri niwe mwuka ukuri uwo mufasha niwe mwuka ukuri nibishoboka ko abisi bamuhabwa nibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwe nushaka hagararira ndagira ngo dufashe aya magambo yayasobanura ate ese yaba yaravuzwe na Yesu cyangwa n'undi wayavuze okay
Stop. Ese uwo mwuka yavugaga ukuri yaba yaruhuye. Sawa. Sege twatangiye. Yaba ari Muhammad. C'est-à-dire que le pasteur a donné un verset public qui montre que Jésus a dit « Je vais vous envoyer un esprit. » Non, Dieu. Dieu va vous envoyer. Okay. Oui, Dieu va vous envoyer un esprit. L'esprit qui va vous aider. Ok, Dieu, oui. L'esprit, c'est un homme ou bien c'est l'esprit? Ok, Dieu, oui. Ariki, nous passerons. Ndashaka kumwereka mu nyandiko ye Sheikh. Njewe ari umufasha umuka w'ukuri. Nago ari umufasha umuka wera. Atandukanyize umuka w'ukuri n'umuka wera. Biratandukana. Misinzi impamvu abantu barashaka kuvanga ibintu bitavangiwe. Umuka w'ukuri n'umuntu. Umuka wera c'est l'esprit. Oui, il est là. L'esprit. Hey. Oui. Umuka ukuri, et l'esprit de vérité, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Voilà. Et l'esprit saint. Saint. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Parce qu'un homme ne peut pas être saint. Oui, oui, oui. Niomanvu ndasubira mu nyandiko yanje muri byayeshuwe 19 11 hariya byose yatanze hano biri hariya. Ibyayishuwe 19:11 haragira hati ngo pasere tega amatwi yumve 19:11. Eh, 19:11 haragira hati mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kora mbona ifarasi y'umweru uhetswe. Yesu nago yagendaga mu farasi. Uhetswe nayo. Uhetswe nayo. Uhetswe nayo. Yitwa uwo kwizerwa. Ukwizerwa kandi ukuri. Ajya. Uri kumva? Oui. Parce que c'est un homme. C'est un homme, c'est la. Ne ukimaze tabera. Voilà, muzagumana na. Saint. Surabona ubungu, inuma y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Niyo niyo inuma y'Imana ya nyuma kugeza umunsi wa wi wimeruka. Bamupinge, batamupinga ariko twebwe turabizi ko niwe wa nyuma. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Niyo mpamvu y'Imana yaravuze muzagumana nawe mpaka. Parce que donc, gumana nawe nukugumana na message ye. Vous avez resté avec le message. Voilà, nago nuzuje niyo 5 minutes rekambaze kibazo cyanje kubera ni ibintu biri hari yatutandukanyize umuka w'ukuri umuka wera. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité ça mentionne, c'est-à-dire un homme. C'est travailler dans l'homme. L'esprit saint. Wabasikizo cyawe. Ikibazo cyanje ni ingi. Kubera pasteur yarabivuze. Yaravuze Imana ya Muhammadi. Imana ya Muhammad ndakeka mwese marayikurikije. Imana ya Muhammad nuko yavuze. Imana ya Muhammad ni Ubara. Mhm. Sawa. Ndio ni tuma question simple. Ndashaka pasteur anyereke. Iyi ni kibazo cya kabiri. Ya mbere nago yanyeretse muri Bibiliya cyangwa muri Korani. Anyereke muri Bibiliya cyangwa muri Korani aho banditse Imana ya Muhammad ni Kuba. Oui, la question de c'est simple, cher. Il a dit que si chaque mateka ibitabo by'abantu. Non 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 non. Le Dieu de Mahomet s'appelle dans la Bible ou soit dans les Corans. Je veux que qu'il me montre dans la Bible dans les Corans les versets qui montrent que le Dieu de Mahomet s'appelle Uba. Voilà. Okay. C'est ça ma question. Pasteur Nyango umwanya n'uno wawe. Atangiye kubara. C'est da shobora kuba ari umuhanga mu kujijisha cyane. Ikibazo mubaza aragica ku ruhanda aguruka. Ariko ni musoma ya magambo yanditse mu gitabo cy'ibyayishuwe ibice 19. Uyu mugabo wari ufite amaso ameze nk'ibirimo iby'umuriro. Hasi ukomeje gusoma usanga ngo afite izina ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Voilà. Kandi hejuru havuze ko yitwa Jambo. Voilà. Iyo dusomye mu gitabo cya Yohana igice cya mbere hatangira havuga Jambo wahoranye n'Imana. Ese uyu yaba ari Muhammad? Ivuga ngo ibintu kujijisha. Oui. Quand on s'y fait dans la Bible, on disait que il était l'aimant. L'aimant qui était avec Dieu auparavant. C'est qui est ce mot-là? Bivuga ngo rero yo bagwa ritopike. Uyu mwanya wa nonaha
reka ngaruke noneho ku kibazo yarabajije to respect the topic imana y'abayahudi mukuva ibice bitatu Exodus je to respect the question sha iyo mana yagiye avuga muri korowani yombereke kwitandukanye nivugwa muri bibiliya cyabazo nje nabajije yavuze imana ya muhamadi kwa imana ya muhamadi twa kubar niyo ngiye kubabwira niyo ndashaka anyereke muri bibiliya cyangwa muri korowani imana ya muhamadi ni ubar iyo ngiye kubabwira le dieu de mahomet ureka turebe koko ibyo ngiye kutubwira niba ari byo koko wenda afite raison tuge kuva kangahe kuva ibice bitatu yego murongo wa 13 kugeza kwa 13 abantu bumve ko bagiye kubwirwa imana ya muhamadi hano aha ngiye kubereka uburyo imana ya muhamadi zikagaragara ibice bitatu kangahe ibice bitatu umurongo wa 13 kugeza kwa 15 umurongo wa 13 kugera kuri 15 Mose abaza Imana ati Exode ningera ku Bisiraheli nkababwira ko nkababwira nti Imana yabase kuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzasubiza iki Imana isubiza Mose ati ndi uwo ndi we yego kandi ti abari ko uzababwira irababwira iti duwo ndi we niyo bari irongera irababwira ngo ndiho komeza yabantu yabantumyeho kandi imana ibwira Mose iti abari ko uzabwira abisiraheli iti uwiteka imana kandi imana ibwira Mose iti abari ko uzabwira abisiraheli iti uwiteka imana yabasekuruza abantu imana yabasekuruza abantu imana ya Aburahamu Isaka imana ya Yakobo yabantumyeho yego komeza gato yabantumyeho yego yabantumyeho iryo ni ryo zina ryanjye iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose urwanjye ruzahoraho ihagarariye niyo bari niyo bari wasobanura gato oui c'est à dire que le pasteur a montré dans les exode le verset qui dit que le dieu des juifs que c'était le seul dieu qu'ils vont vivre avec cette même dieu mais le mot Ubayi n'était pas mentionné dans la Bible comme ça. Ni mukurikira muri iki gitabo cya Korowani. Si vous suivez dans le livre de Coran. Nta hantu namwe muri buze kubona aya mazina. Vous ne pouvez pas trouver ce mot là comme mentionné dans la Bible. Imana yabwiye umugaragu wayo Musa. Quel Dieu a dit son serviteur Musa? Muraza gusanga ivuga ijambo rimwe gusa. Vous allez trouver qu'il a dit quoi Allah. Un seul mot que c'est Allah. Aha rero itandukaniro ry'izi imana zombi zivugwa muri ibi bitabo. Différence entre les deux dieux. Kigaragara. Nyine kigaragara ko Muhammad imana yari. Gusa icyo mbabwira ni kimwe. Che nje ndashaka verset tureke kujijisha. Ibyo arimo kuvuga. Ndi umuhanga mu kujijisha. Muri kunca mu ijambo. Muri kunca mu ijambo nta nicyo twaza. Ibyo birarangiye kandi uragaragaza imana. Uyirarangiye nyine. Umwongerere minota 2. Kubyumva. Umongera kugira nako muri kibazo wabajijwe wabajije ngo Imana ya Muhammad yewe nashatse kubereka iyo mana yari ha byanditse here noneho rero ibyo mumbwira ngo byanditse ibyo namubajije byose yagiye abereka aho byanditse ubwo rero ngira ngo abakurikiye murabona yuko yewe icyo nashatse kubereka ni kimwe muri bibiliya muri korowani Imana ivugwa muri bibiliya itandukanye n'ivugwa pase minota 5 urya ni myinshi ubushubuje ibi bibazo byinshi nashubije cyane uko wavuze ngo segara kubingikiranye yewe nawe urabumbingikiranyije nabo mubindikiranyije ikibazo cyasege gisobanutse ikibazo cyasege wavuze ko mu mateka wavuze gutangira ikiganiro wavuze ko Imana ya Muhammad yitwa Hubali none warakubaje ati Hubali Allah navuze ni yasengwaga na sekuru witwa Abroka utwerekeho biri mu mateka mu gitabo cy'abahanuzi none se mateka niyo yatuzanye hano none se ko twataje tuvuga mateka twataje tuvuga mateka amateka ni bande banditse mateka amateka yanditswe nabo yitwa ngo nabasangiranye na Muhammad nama abasangiranye na Muhammad utwerekeho kitabo igitabo mu gitabo cy'abahanuzi zana wowe nawe za nibyo uri ko byanditse Zana hivyo uri kuvuga ngo nakubwiye ko biri mu gitabo cy'abahanuzi kandi cyose Pasteur ndi gutanga imirongo Pasteur imirongo yo mu kirere Urasanga imirongo ivuga imidugudu ugatanga imirongo ivuga ibice runaka ngo ni Muhammad iri kuvuga ibyo ni ikinyoma cy'abahanuzi Pasteur Abo gena rakara ahubwo icyo mwereka ndakwereka ko ibyo uri muvuga ari nta shingiro Bas mereze yo kitabo iyo mateka Ari bintu byo mu kirere Mereze ni wewe wazanye amateka sibyo nago ari njye aya mateka navuze arazwi
Nujya mu gitabo cy'intumwa n'abahanuzi. Ndakwingize pasteur. Ndakwingize pasteur. Uzajya ndufata igitabo cy'intumwa n'abahanuzi cy'abayisilamu. Nyine wayasomye ari hehe? Yewe n'ubucukumbuzi bwanje nakoze ntago byari ngombwa kuzana icyo gitabo. Kubera iki kandi waje kudeba? Ni reference yaho ibyo bintu biri. Mu gitabo cy'intumwa n'abahanuzi. Mu gitabo cy'intumwa n'abahanuzi. Abakurikiye nibo tugiye guha umwanya abagabo babiri ubwo umuntu baganiriye. Ngirango ngo buri wese afite uburyo yiyumvise kandi n'uburyo bendari buze gusobanukirwamo. Tugiye gutanga rero umwanya w'ibibazo n'ibisubizo ubwo abashobora kubaza dushobora kubakira ku murongo wa telefone. Umurongo wa telefone urafunguye ubwo ubaza ikibazo yabaza pasteri cyangwa se akabaza sege ubwo ari buze kuza gusubizwa wenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nyuma yo kubaza ikibazo cye. Ariko pasteri hano hari umuntu wabajije ikibazo nk'iki ngiki tujiste amaze kubaza. Yavuze ngo ayo mateka pastor ari gusoma ari kuyasoma he? Voilà. Yanditse mu gitabo cy'intumwa n'abahanuzi. Azasoma icyo gitabo azayabona. Azayisanga. Kitwa ngo iki? Kitwa igitabo cy'intumwa n'abahanuzi niryo zina ryacyo. Mu ye librairie cher. Muri librairie y'abayisilamu. Hehe. Igitabo cy'intumwa n'abahanuzi. Umva cher. Abayisilamu na librairie bafite mu Rwanda. Urumva sasa kibazo kindi. Na librairie tufite mu Rwanda. Ntabwo musoma. Ntabwo musoma ikibazo kuko ntimuzi n'amateka y'ibyo mwizera. Murizera ibintu byo mu kirere gusa. Nakabaye nabura munasoma ibiri mu bitabo byanyu. Utubwire iyo librairie yacu iriye mu Nyarugenge. Ibitabo byose mufite mu bikuru. Cyangwa Kicukiro. Ndakubaza ibitabo byose mufite mu bikuru. Uduhe adresse tugiye tuyishake. Nakubwiye igitabo icyo ari cyo ugomba gushakiramo ibyo bintu. Ubwo hari umuntu uri ku murongo kandi nini cyanyu bayisira hari umuntu ku murongo twamwakira akabaza ikibazo cye abaye ahari kubanga bw'ibyuma mwadufasha niba hari umuntu uri ku murongo twamwakira twabwiye ko telefone ushobora guhamagaraho ni 0789 64 79 76 naho kuba ari hanze ushobora guhamagara ku murongo wa WhatsApp ni akamutse ko guteranya 250 72 32 0 7 4 2 3 4 5 37 37 iyo no nimero umuntu uri hanze y'igihugu ashobora kuba yahamagara kugira ngo abaze ikibazo kuri bano bavandimwe bamaze kuduha ikiganiro ndetse n'ibimumbizo byo baganiriye ubwo natwe twe dukurikiye hari icyo bishobora kudufasha kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa ese koko ibi biri kuvugwa ahangaha twabisobanukiwe cyangwa se bitudasobanukiwe ushobora kubaza pasteri akagusobanurira cyangwa se ukabaza alhaji akaba yagusobanurira ubwo hari umuntu uri ku murongo dushobora kumwakira hagati aho ngaho wenda ataraboneka njye ndashaka kugira ngo nse n'ugorora ubutaha wenda turabona ko tuzongera kuganira ibiganiro nk'ibi ngibi tujye tugerageza niba tugeze mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo tujye tubaza tunasubize kuruta uko umuntu abaza ikibazo undi akajya kwigisha ubwo sege ubutaha ntabwo nzakwemera ko wigisha nawe Jean Claude na sinzakwemera ko wigisha niba baza ngo urupapuro n'umweru ugomba gusubira ngo ni umuhondo cyangwa se n'umweru ikibazo bazajya bakubaza ni ukugisubiza gutya naho ubundi tugiye kwigisha utakaza umwimerere w'iki w'ikibazo cyabajijwe hano hari umuntu ubajije ikibazo oya ntabwo nayisoma ntabwo ngira ngo ubwo rero niba nta bantu bahari baza kuza kubaza ibibazo turaza gusoza ikiganiro cyacu tuzongere guhura mu bindi biganiro by'ubutaha ariko ndagira ngo mbanze ngire icyo nibariza pasteri ngenda kwibariza ku ruhande rwanjye na segere ndaza kuza kumubaza ku ruhande rwanjye icyo nshaka kwibariza Muhammad wowe umubona nk'iki cyangwa se umwumva nk'iki cheque je voudrais demander à pasteur. Est-ce que pour lui, vraiment, en tant qu'un pasteur, est-ce que Mahomet, comment vous traitez un homme qui s'appelle Mahomet? Est-ce que Mahomet prouvait que c'était un prophète ou bien c'était un homme comme les autres? Chubije na huranyije, Muhammadi na gombona kwaru muhanuzi ima na yukuri. Je réponds en disant que Mahomet n'était pas un prophète de Dieu. Mbona kona wabarugwa muhanuzi bibi nyoma. C'est le prophète des mensonges. Kujyana n'igitabo. Yagaragaje ko ari Imana yakimuhaye. Concernant le livre qu'il a montré que c'est Dieu qui lui a révélé. Kuko iyo Mana itandukanye niyo abayahudi bavuga. Parce que le Dieu de Mahomet c'est différent de Dieu des Juifs. Murakoze. Pasteur rero ikiba igisubizo cye
agaragaje ko ntiyemera Muhammadi ago Muhammadi amwemera nk'umuhanuzi w'ibinyoma so muhanuzi ugaragara mu bitabo bya ntuza bya bajuif bya bayahudi agaragaje ko Muhammadi we ku giti cye yemera ko atari umuhanuzi w'Imana sege naam niwe tugezeho naam wowe Muhammadi umubonu Allez, je vous demande la question. En tant que vous, quel est l'homme là, le prophète Mahomet pour vous? Est-ce que comment tu la considères? Est-ce que c'est le prophète ou bien ce n'est pas le prophète de Dieu pour vous? Muhammad, Mufatani, Numa Yimana. Muhammad, pour moi, je le prends comme le prophète de Dieu. Ce n'est pas le prophète des mensonges. Nuko tu fatawa Yesu wa Mose vose. Comme si nous prenons les Moïse, les Moïse, les Jésus, ce sont des prophètes de Dieu. Ibyo nibyo ndarespecta muri Korani 7:158. Ça c'est, je donne la preuve qui montre que Mahomet était le prophète de Dieu. Coran, le surat 7, verset 158. N'ubuhanuzi natanze muri Bibiliya nyinshi. J'ai donné les prophéties qui montrent que Mahomet était le prophète de Dieu dans la Bible. Iyo niyo imani yanje kwa Mahomet. C'est ça ma croyance sur Mahomet. C'est ça ma croyance vraiment sur Mahomet. Nibyo kabisa. Impamvu ndabimbaje kino kibazo n'ubwo nifite wandi kwerekeza. Twagiye. Umwuka wera ni inde? Je vous demande l'autre question, monsieur pasteur. L'esprit c'est quoi? L'esprit c'est qui? Qui est l'esprit? Ijambo ryanditse muri Yohani bice 14 Yego Ijambo ryanditse muri Yohani bice 14 Le mot qui s'écrit dans la Bible de Jean 14 ku murongo wa 15 verset 15 n'umurongo wa 17 et le verset 17 abantu baze kuyisoma les gens je demande que les gens vont la lire bayitindeho cyane Il faut la traîner là-bas. Baraza kubona neza umwuka wera uwariwe. Ils vont retrouver ce qui c'est, ce qui est le vrai esprit. Kuyu mwuka utari umuntu ahubwo ari umufasha wo mu buryo bw'umwuka wagomba kuzingana. Ni indege umwuka ni umwuka bwoko kitu. Umwuka uva ku Mana, imbaraga rukoze y'Imana. Usobanure, usobanure. Ni l'esprit vraiment, expliquez-nous ce qui est l'esprit. Nda usobanura nifashishije ibyanditswe. Je vais le montrer dans la Bible qui est l'esprit vraiment. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Yego le verset biblique dans le chapitre de Jacques livre d'actes des apôtres livre des actes des apôtres ibice byaho bibiri partie 2 chapitre 2 niho hagaragazwa kuva ku murongo wa mbere le verset 1 Niho hagaragazwa iby'uburyo uwo mwuka wera amezemo. Ce qui montre que qui est l'esprit vraiment. N'imirimo itandukanye yatangiye gukoresha intumwa nyuma yuko Yesu amubohereje. Les actes que les esprits a utilisé pour les prophètes. Reka tuhasome. On va la lire. Haravuga ngo umunsi wa Pentecôte usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Les jours de Pentecôte, ils sont réunis tous ensemble. Nuko umuriro batunguru vuye mwijuru umeze nk'uwumuyaga uhuha cyane après ça il y avait les feux qui ont descendu du ciel ils ont étonné ukwirinzu bari bicayemo le feu là-bas était venu sur la maison et complète la maison était complète avec cet effet haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro il y avait des différentes langues qui se rassemblent avec du feu ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo chacun a parlé de différentes langues bose buzuzwa umwuka wera tous ont été complétés par l'esprit batangira kuvuga izindi ndimi ils ont commencé à parler d'autres langues nkuko umwuka yabahaye kuzivuga parce que l'esprit a donné pour eux l'effort de pour parler uyu rero niwe Yesu yari yarasezeranye c'est celui Jésus qui a été promis kandi uyu ntabwo ari Muhammad ce n'était pas le prophète Mahomet urakoze cyane cyashaze kumenya nyine ninde n'umwuka duhumeka n'umwuka marayika n'umwuka n'umwuka ki none nshaka kujya ngo tumenye n'imbaraga rukozi y'Imana montrez-moi ce esprit est-ce que ikoresha imirimo n'ibitangaza mu bantu iyo mbaraga rukozi isobanura nyine tumenye kuko imbaraga rukozi Imana yohereza tumenyere n'abamarayika sibyo se none iyo mbara iyo uwo mu marayika woherejwe ninde
kucyo yisaba marayika kandi ari imbaraga rukoze umwuka utandukanye n'abamarayika umwuka wera ntabwo ari abamarayika umwuka wera ni inde urashaka kuvuga ibyawe ntabwo ari inde umwuka wera naho ushaka nyine umwuka wera ni inde uwo mwuka wera Yesu yari yavuze ko naza azabungura iby'ubwenge akabahishurira ibyenda kubaho kandi azaba ari umwuka w'imbaraga uwo rero ni nawe watangiye kugaragara azabahishurira ibyenda kubaho yego mwihishurirwa ntabwo ari mu kuvuga ibyo ba Muhammad bavuga bagenda bavuga noneho rero turabona uyu mwuka arimo akorera mu bantu yakoreye mu ntumwa zikora ibitangaza akoze cyane sege niwe tugiyeho mwuka mwuka wowe ubona rinde mwuka uruvu qui est l'esprit vraiment c'est quoi là l'esprit OK ngiye reka subize mu magambo pasteur yazanye ngiye kumwereka ko hari ari kuvuga nago ari ibyo bamubajije reka Yesu asubize kubira pasteur ndumva apingana na Muhammadi apingana n'ubwisilamu apingana ariko umuntu ngiye kumuha nago ashobora kumuvuguruza le contraire uwo nguwo ngiye kumuha niwe afite ubushobozi yo kuvuguruza pasteur usomere mu Yohana musomere Yohana tumve Yesu atwereke umuka on va voir que Jésus va nous montrer na pinga bya Yesu basi ari nago turi kumwe s'il contredit ce que Jésus dit dans les bibles vraiment je ne suis pas avec lui je suis pas d'accord avec lui vraiment c'est juste Yohana kangahe gatandatu mirongo itandatu na gatatu Yohana gatandatu mirongo itandatu na gatatu tumve Yesu aradefinisa umuka Yohana gatandatu mirongo itandatu na gatatu umwuka niwe utanga ubugingo umwuka niwe utanga ubugingo urumva definition ya Yesu aha umwuka niwe utanga ubugingo yego umubiri ntacyo maze umubiri ntacyo maze amagambo mbabwiye ngiki amagambo mbabwiye yego niyo mwuka uko n'ukuri uko n'ukuri ese urumva aya ingi Yesu ari kuvuga niyo pastor amaze kuvuga ni nayo ni nayo kuberiki Yesu avuze gutya kuberiki Yesu avuze gutya kane 24 Yohana kane 24 na kane Yohana kane 24 Yohana eh aragira hati eh kane 24 24 umva kane 24 Imana n'umwuka vala n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mukuri uri kumva she yegore die va aladorer dans le umuka ni niki ni ma vérité hano pasteur yaravuze ko umuka ba mu définit ba wa musabye ninde niki nje nashaka kumenya umuka ni inde voilà nje naguhaye preuve naguhaye preuve kubera iki naguhaye verset 84 iravuga umuka ni imana nagwa ribyo ngibi ari kuvuga none se ni Muhammad Yesu yavuze umva sasa nge nabaje ikibazo yabajije umwuka wari nago babajije bya Muhammad yagaragaye ko aturuka ku Mana nago aturutse ko ari Muhammad subiramo subira umwuka hanga wenye rwano ni Imana vala none Imana itutanga Imana no umwuka aha nabayisenga bakuye kuyisenga mu mwuka okay tufate umwuka chere tufate umwuka yaje kuba yaje kubigishwa bwa Yesu ikabatitiza sibyo n'Imana yinje kubigisha ikabatitiza na ngira ngo hano byasohotse ngira ngo ikibazo nabashije kumara zombi baragisubije ubwo ngewe ntago sinjija cyangwa sinjaginga ibyo kandi abantu bavuze ago wowe ukurikiye ni wowe umenya aho uri buze kuza kuguti koko ahantu ndahumva gutya cyangwa se simasohotse gutya reka rero ndibaza nta muntu kuri telefone ntawe reka dusoze ikiganiro cyacu rero turabashimiye abo twatanyeye muri kino kiganiro turabashimiye cyane by'umwihariko tubasaba yuko mukomeza kubana natwe mu bihe bizagenda biza imbere kubera yuko muzagenda mubona byinshi kandi bizagerageza kudufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa uwisilamu turusheho gusobanukirwa ubukristu turusheho gusobanukirwa ibintu byose bigenda bituma abantu bifuza kumenya Imana y'ukuri ni iyihe ese twagira ku Mana tunyuze mu buhe muzihe nzira ese ni ubuhe buzima dufite no ku isi tuza gusoza gute ibyo byose byo bituma tuganira mu biganiro nk'ibi ngibi kugira ngo abantu barusheho gusorokerwa pasteur Alhaji iki kiganiro turimo ntago ari cya ari mu kango za ngo turwane turimo iki kiganiro cyo kugira ngo
twungurane ibitekerezo sege ntago rano kugira ngo gutsinde nari ntano kugira ngo gutsinde sege ahago no kugira ngo twese duhurize hamwe tubashe kugera ku ntego y'ibyo twifuza kugeraho kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa binyuze mu bumenyi dufite reka rero tubashimire tubasabire ku mana ko yakomeza kubarinda ikomeze ibahe ibyiza pasteur imana iguhe ibyiza kandi kuyobore ku nzira igororotse sege na imana iguhe ibyiza kandi kuyobore ku nzira igororotse twese hamwe imana ituyobore ku nzira igororotse wabillahi tawfik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh